Elle s'appelle Mireille Fabiola, African Man, c'est bien sûr le titre de la chanson. Ça se passe bien évidemment sur les antennes de votre radio, c'est Royal FM, c'est incontestablement la meilleure radio sur toute la bande FM. On va dire bonsoir à ma Gabonaise sur Kiera Bongo International. Le commandant te salue, je salue également ma Kalaba Bobby International, Luce Belle, Wessie Léotam, je pense à Rosine Léa, Mireille Boutoum, Dickweed. Vous êtes nombreux en tout cas, Monica, Arik Rouge. Le commandant vous salue. Merci de connecter bien évidemment sur les antennes de Royal FM. Je vous rappelle que notre PDG, la PDG, Mafou Flor de Lille, des éditions FDL, sera les nôtres ce soir dans le cadre du programme Royal Show. On va poursuivre avec une autre musique en promotion. Royal Show. Et bonsoir, Carla Dupont International, Nyatade le bipolaire, bonsoir, Nyatade toujours rendez-vous. Ça va aller très très vite ce soir, avec notre PDG, hein. Elle est disponible et disposée à répondre à toutes vos questions. On poursuit avec cette musique en promotion. Et elle m'a dit, libéral, moi j'aime écouter du Lady Ponce, on aura également l'occasion d'écouter des fins spéciales Lady Ponce en attendant véritablement que la reine mère fasse son entrée dans ce studio. Aïe, il m'en faut la force PDG, bonsoir. Route est partagée, les amis, partagée. Mafo capable, Guy Emmanuel. La Mafo en route là. Elle est plus loin là, la Mafo. Elle va chauffer avec elle là tout à l'heure. Tu fais un best of Lady Ponce. Hein. Mafo a dit qu'elle va écouter Lady Ponce. Le direct là s'est arrêté, non, ça passe pas, non, sur la page de la radio. Le réseau n'est pas bon. Le réseau. On gère sur ma page. Ouais, notre amour, c'est le Hoha, c'est bien sûr le titre de la chanson. Merci aux internautes connectés, bien évidemment, sur la page Facebook. Et vous nous suivez en direct, vous êtes nombreux en tout cas. Merci d'être là. On va faire spécial les réponses en attendant véritablement que notre reine, la Mafo, la PDG des éditions FDL, fasse son entrée dans ce studio. Et c'est parti avec spécial les réponses en attendant la PDG. Makala va vous mettre, t'inquiète, y'a pas de stress. Mais t'as vu ma photo, on a mangé, on a bu, non.
Il y a eu quoi, il y a rien eu. Il y a eu les bisous et tout ça. Bon. Et mon épouse, non? Mets les nouveautés de Lady Ponce, mon frère. Mets les vieux, vieux morceaux de Lady Ponce. Mets les étonnants, disent qu'il y a quoi avec les vieux morceaux de Lady Ponce. Ouais, Lady Ponce, spécial Lady Ponce sur Royal Show, en attendant véritablement la PDG internationale. Carla Dupont depuis Paris, le commandant te salue. Ouais, Monica, Monica. La reine galloise est dans la place. Bonsoir également. Mokonzi, Mokonzi, Pimando, la gabonaise qui est à Rabongo. Océan Slav de Flore, bonsoir. C'est son ventre et son bas-ventre spécial et dépense en attendant véritablement à l'arrivée de la PDG internationale. Michel Akaba, le 18. Et salut à toi, soutien Flore. Lily Océane, Marie Pulqueria, Rebecca Allah, Princesse Léo, la reine galloise, Kiara Bongo, tous pour Flore. La radio après feu, internet aussi.
C'est 10 minutes, hein. Tu rentres au frein un truc pour ton téléphone là. Un peu pour tenir. Il y a des trucs maintenant pour ça. Ah, tu as besoin, tu tournes comme tu veux. Ah, ok. La PDG dans les parages, la PDG là. La beauté de ça, la classe, le feeling. Wow, la bonne humeur. Les moments manquent en tout cas. Elle est là, la PDG. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup la musique de Lady Ponce. On s'écoute une autre chanson de Lady Ponce en attendant que Mafo s'installe confortablement. C'est une reine. Hein? Une reine ne s'installe pas n'importe comment. On donne tout le temps à Mafo pour s'installer. Hein? On est en deux directs, là c'est le direct même de la radio là-bas, c'est là-bas hein? De la radio, mais comme le réseau est un peu bracata, oui. En même temps aussi en direct sur ma page. D'accord. Okay. Là-bas c'est pas performant là-bas non c'est sûr. Vrai, c'est le réseau donc, ah, donc le bon c'est ici, hein, ma faute. Mm-hmm. Le bon c'est ici. D'accord. Ouais. Voilà. Pardon, je pouvais quand même me faire un petit jet. Bon, on attend alors que tu t'apprêtes alors. On attend. Non, c'est bon, hein. Okay. Ouais. Bon, on met, tu mets le morceau de Mafoflon, de Lilon, l'accueil avec. Tu mets d'abord ça. La team pédagiste. La chanson, la team, là. Tu connais la chanson. Tu es calé ça là-bas, non? Oh, que ça fait du bien d'écouter la radio aussi, Royal FM. Dans un très court instant, hein? On va accueillir la reine mère. Recevez la voix chromée, métallisée, c'est Bidjoum le parolier, chante pour Flore de Lille. Tout a commencé comme les amusements. PDG international. Flore de Lille, personne n'a pris à ton concept. Tu dis tout haut, ce que les gens disent bas. C'est un concept qu'on ne peut plus arrêter. FBI, c'est la vie. Soit tu soit tu dégages, tu ne vis plus pour toi, tu appartiens à tes fans. Les Flore de Lille, PDG international. C'est pas les gnangnang, pas les nkakata, pas les langues. C'est pas les mnangnang, les tchaboum. Et ton maman, tu étais déjà star. PDG international, les lignes, que des stars. Ma faute, avec ton grand cœur. Je ne peux pas tomber, j'en cancan le communicateur. Partout où tu passes, les gens t'aiment. Nous ne voulons pas s'aimer, mais de me récolter. Et que j'ai lancé, personne ne m'occupe de toi. Et il était simple pour la compliquée. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. De ta sincérité, ton amour, ton franc parler, qui fait ta force. L'armée des abeilles. Maintenant, nous sommes avec le PDG, le futur PDG. C'est pas les gnangnang, pas les bracata, pas les lol. C'est pas les gnangnang, les gnangnang, c'est les tchaboum. Je te donne ton chargeur. Je te donne ton chargeur. Hein. Elle est là. Ton chargeur branche. Ah, d'accord, merci. Pas seulement, j'ai fini. Merci. On reçoit la PDG dans quelques secondes. Hein. On écoute d'abord la chanson là. Merci pour les cœurs. Ouh, trop de cœurs. Maman a buzz. Maman a buzz. C'est ton Dieu est très fort. Maman a buzz est là. Maman a buzz est là. Et c'est qui est. Si je te rappelle, c'est parce que tu es le premier en succès est très fragile. Tu as réussi à traverser Flore de Lille. Toutes les femmes sont des reines. Mais tu es une reine qui dépasse l'autre reine. International, de l'avant, le Seigneur est une force inestimable, l'omba uno des radios Cameroun. La façon de chaud. Et René Francis, le général. Moi-même, PDG international, la reine galloise, la PDG canadienne, Doudou Akaba, Banquet Julien. Elle est là et bien installée dans ce studio. Dans un très court instant, nous allons recevoir notre invité. Bon.
Bonsoir, la reine-mère. Bonsoir. Oh, vous allez bien? Très bien, René Francis. Vous êtes au Cameroun depuis combien de temps déjà, la reine-mère? Je suis au Cameroun depuis hier. Hein, depuis hier déjà. Oh, et le Cameroun a changé à votre arrivée à l'aéroport? Oui, les gens étaient très accueillants. Déjà, je tenais à dire merci au service d'immigration. Oui. Voilà, à la team de l'immigration. Oui. Je leur dis bonjour à tout le monde là-bas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué en tant que tu es arrivée au Cameroun? Ce qui m'a marqué, c'est depuis mon vol. Je ne savais pas que j'étais aussi populaire. Donc, oui. Voilà, tout le monde, Fleur de Lys, ça m'a touché l'amour que les gens portent pour moi. L'amour vrai que les gens portent pour moi. Oui. Ça me touche énormément et tout le temps, ça me réchauffe le cœur. D'accord. De voir cet amour gratuit que les gens me donnent, c'est... Waouh. Ouais, c'est super ça. Nous sommes très heureux de t'entendre dire cela, ma reine-mère. Alors, en dehors de l'accueil, vous avez parcouru quelques rues de la capitale? Oui, hier, dès mon arrivée. Yaoundé a changé? Moi, je ne connais pas très bien Yaoundé. Hein. Je connais Biémassi Tam Tam. Oui. Donc, hier, dès mon arrivée, j'ai décidé d'aller au 50-50. À la brique. Au quartier, à la briqueterie. Bah, j'étais impressionnée. Hein. Je mangeais beaucoup le soya, le 50-50, c'était bien. Oui. Et puis, j'ai vu qu'on avait mis la photo du président Amoth sur cette rue-là. J'étais impressionnée, j'ai posé la question à savoir, comment ça se fait-il que c'est le président Amoth là? J'ai impressionné, j'ai dit, mais waouh, c'est qui ça? C'est Jaguar et Prési. On m'a dit, bah, cette rue, c'est leur rue, parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup fait pour les habitants de la brique. Oui. Donc, il a été... nommé comme président de la briqueterie. Ah, d'accord. Donc, voilà les choses qui t'ont marqué. Du ministère du soya. Donc, voilà les choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé au Cameroun. Oui, quand je suis arrivée, oui. Ah, d'accord. Super. Très heureux de t'avoir, ma faute. Wow, mais tu es encore plus belle que sur Facebook. Ouais, Facebook, vous savez, Facebook, ça change, ça transforme les gens. Tu es trop canon, là. Waouh. Et puis. Oh, je suis timide, hein. Non. Excusez-moi. Mais ça va, comme c'est la radio, comme c'est Royal FM, la radio Nomba Uno, la radio qui a pris le pouvoir au Cameroun, bah, je suis là. Ah, très heureux de t'avoir. Tu m'as surpris quand même. Hein. T'es toute belle. Merci. Ah, d'accord, wow. Le PDG, merci le PDG. Le futur de la reine-mère. Alors, la PDG, hein, on va passer des moments très agréables ce soir, j'imagine. On est ensemble jusqu'à 23 minutes. Wow. Et les auditeurs, les internautes également auront la possibilité de poser toutes les questions possibles. Oui. Et t'es là pour répondre à leurs préoccupations. Oui. Alors, comment est-ce que je dois t'appeler? La reine des abeilles, Mafo, la PDG, je dois t'appeler comment? Comme vous voulez, ce qui vous convient. Hein. Ah, d'accord. Ben, oui. Fleur de Lys. Fleur de Lys, ouais, c'est le plus connu. Pourquoi Lille? Parce que je vis à Lille. Hein. Mon adresse principale est à Lille. Hein. Je suis une enfant de Lille, en fait. Oui. C'est pourquoi je m'appelle Fleur de Lys. Alors, vous avez vécu à Lille pendant combien d'années? Vous vivez à Lille depuis combien d'années déjà? Depuis que je suis arrivée en France. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 2001. Depuis 2001? Oui. Waouh. Depuis 2001. C'est la raison pour laquelle vous avez imposé votre façon d'être à Lille. Et on vous appelle Fleur de Lys. Oui, Fleur de Lys. Ah, d'accord. Et pourquoi la reine-mère? La reine-mère, parce que je suis Mafo, voilà, je suis Mafo. Vous êtes dans la vraie vie, dans la vraie vie, je suis une Mafo, je suis une reine-mère. Oui. Et puis PDG, c'est une amie qui m'a, la gazelle Peul, c'est qui m'a nommé PDG, avant que je sois PDG des éditions FDL. Ouais. Avant, j'étais PDG des travailleurs sans salaire. Donc aujourd'hui, voilà, ce nom est resté. Ah, d'accord. Et j'en suis fière. Ah, d'accord. On va t'appeler, moi je vais t'appeler Maman Fo. Ouais. Maman Fo pendant cet entretien. Reine, alors, Maman Fo, alors, on va commencer par les abeilles. C'est quoi les abeilles? Alors, les abeilles, c'est des anonymes. Hein. Des personnes anonymes qui me suivent en longueur de journée sur les réseaux sociaux surtout. C'est des personnes qui ont toujours pris ma défense. Quand tu t'attaques à moi... tu t'attaques aux abeilles. Oui. On sait comment les abeilles sont... C'est difficile de gérer les abeilles. Ça pique. Et quand ça pique, ça fait mal. On dirait que les abeilles, c'est ton armée alors. C'est mon armée. C'est faux profil qui sont là pour te défendre. Pour me défendre. Oui. D'accord. Il y a quelques... Il y a aussi des semeurs de troupes parmi, mais bon, on fait avec. Hein. On essaie de faire avec. Donc, on essaie de faire avec. Hein. Ah, d'accord. On dirait que ton armée, ce sont les abeilles. Ce sont les abeilles. Ah, d'accord. Les team, anonymes. Les anonymes. La team PDJ, c'est quoi? La team PDJ, c'est tous les fans. Hein. La team, c'est tous ceux qui sont avec moi. Oui. Oui. Parce que dans la team PDJ, si on peut être dans la team sans être abeille, les abeilles, c'est ceux qui réagissent. Et puis, on peut être sympathisant. Il y a les sympathisants. Oui. Ceux qui soutiennent la reine-mère en cachette. Qui ne commente jamais, mais qui est avec la reine-mère de tout cœur, parce que fait partie de la team PDJ, ça, il faut tout simplement soutenir la reine-mère d'abord de vrai, avec tout son cœur, et ensuite réagir quand il faut. Ah, d'accord. Est-ce que Francis Libéral
est une abeille. Non, Francis Libéral, c'est n'est pas abeille, c'est un membre de la team, hein, c'est quelqu'un qui soutient à visage découvert. Parce que les abeilles, d'abord, c'est des anonymes, c'est des personnes qui ne se montrent pas. Oui. C'est des gens qui soutiennent en cachette. Oui. Et voilà, vous faites partie des personnes qui me soutiennent ouvertement. Ah, d'accord. Et c'est pas tout le monde qui le fait, parce qu'il y a des gens qui ont, qui sont, qui on va dire, qui ont honte, qui sont timides. Ah, d'accord. Je vais te faire un truc, si tu me permets. Oui, vas-y. Il n'y a plus de bruit. Oui. Je vais t'arrêter le volume de ton portable. C'est où le volume? Alors, Francis Libéral, son téléphone, je peux pas. Je ne peux pas manipuler, je pourrais arrêter le... Non, mais ça va, on va s'en sortir comme ça, la reine. On va s'en sortir comme ça? On va s'en sortir, t'inquiète. C'est où le volume? C'est à côté, là. Si elle baisse le volume, bon, ça va également baisser. C'est pas grave. Ça va baisser. On va faire avec. Ah, d'accord. Okay. Merci, la reine. Mais... Alors, comment est-ce que la team PDGiste est née? Et pourquoi elle est née? Alors, la team PDGiste est née il y a très longtemps. Oui. Près de 7 ans, on va dire 6 ans, lors d'un clash, d'une publication, parce que je fais partie des... je fais partie des personnes qui ont souffert sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Donc, je suis l'une des premières personnes à être publiée sur les réseaux sociaux. Les gens ne connaissaient pas encore beaucoup les réseaux sociaux. Oui. Raison pour laquelle je pense que je vous ai dit, je vous ai parlé de ça. C'était par téléphone, là, nous sommes en studio, en face à face, quoi. Alors, à la base, moi, je suis... je suis une fille très famille, très maternelle, un peu timide, réservée, mais je suis venue sur les réseaux sociaux pour me défendre de quelque chose qui m'a fait mal. Et comme je ne pouvais pas montrer, en fait, je suis venue sur les réseaux sociaux me défendre et guérir de quoi je souffrais. Parce que j'avais pas de possibilité, il n'y avait que ça pour faire connaître au monde entier que non, je suis une victime. Je suis une victime des réseaux sociaux. Ah d'accord. Vous êtes venue sur la toile pour vous défendre. Oui. Et c'est à partir de là que les internautes ont commencé à vous suivre. Oui, et il y a eu un capital cette partie sur votre personne. Il y a beaucoup qui disaient, ouais, mais cette fille, elle est un peu... C'est une dingue, hein. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça en longueur de journée à crier et tout? Beaucoup ne comprenaient pas. Parce que quand tu tombes sur une jeune dame en Europe qui passe son temps sur les réseaux sociaux, elle est couchée au lit, elle prend sa douche, elle fait une vidéo, ça dit que c'est énervant en fait, c'est vraiment énervant. Oui. Tu te dis, mais celle-là, elle est perdue ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas qui lui a donné le visa pour aller en Europe? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas aller travailler? Mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça dans une chambre? Donc après, quand tu prends le temps d'écouter, tu finis par comprendre, mais c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie, elle souffre de la dépression. Donc, Vous étiez dépressive alors. Oui, j'étais dépressive, je peux dire comme ça. Et la solution s'est trouvée sur les réseaux sociaux. Oui. D'accord. Et à force de faire vos directs, les internautes ont commencé à vous aimer, à vous apprécier. Je peux vous dire que dès le départ, il y a beaucoup qui savaient déjà que j'étais une victime. J'étais une victime et tout, parce qu'on se dit toujours, quel que soit ce qu'on a pu faire dans sa vie, on n'a pas besoin d'être exposé. On n'a pas besoin que tout le monde sache. On a des familles ici. On n'a pas forcément besoin que notre famille soit au courant de ce que nous foutons là-bas, chez les Blancs, comme on dit. Donc, c'est pas évident, c'est une honte. Ah, d'accord. Donc, vous êtes venu sur les réseaux sociaux, pas parce que vous étiez en quête de star, Mania. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. Je suis venue seulement parce que j'avais envie de dire non, j'avais envie de m'exprimer à ma manière. Parce que j'ai utilisé peut-être la manière violente, mais je me suis fait violente à moi-même. Mais j'avais envie de faire savoir au monde entier que je souffrais. Ah, d'accord. Alors, c'est comme ça que tu deviens célèbre malgré toi. Malgré moi, oui. C'est vrai que après je deviens célèbre parce que bon, après j'amuse la galerie quand même, il faut avouer que moi je me fais rire à moi-même. Donc je suis d'abord une comédienne. Une comédienne et puis très naturelle, je pense que c'est ce que les gens apprécient en moi. Et puis voilà quoi, avant, excusez-moi monsieur Francis, avant j'étais sur les réseaux sociaux chez le Warman. Je donnais des conseils aux jeunes sœurs qui viennent en Europe. Voilà, faut pas rêver. Oui, je donnais des conseils avant. D'accord. D'aucuns estiment véritablement que à travers tes conseils, tu as dû ouvrir les yeux de plus d'un, parce que tu dis très souvent dans tes directs, la première des choses, c'est les chaos. D'abord, quand on arrive en Europe, il y a également beaucoup de familles, de couples qui trouvent des solutions grâce à vous, grâce à vos conseils. Oui, les gens.
En fait, quand je donne des conseils, parce que vous savez, je ne prépare jamais ce que je fais. Quand ça me prend, je me lève, je fais un live. Mm. Après, c'est à chacun d'en tirer ce qui est bien pour soi. Mm. Donc, voilà, tout ce que je dis n'est pas forcément bien. Mm. Mais dans ce que je dis, tu prends ce qui est bien et tu jettes le reste à la poubelle. Non, d'accord. Alors, à fond des faits directs, il y a eu des sympathisants, la team oui, a vu le jour. Oui. Les abeilles ont vu le jour oui, aussi. Donc, ça veut dire forcément qu'ils sont venus pour te défendre. Te oui, défendre pourquoi? Parce qu'à travers tes directs, tu subissais des attaques. Oui, parce que je subissais les attaques et puis... Mm. Moi aussi, je n'étais pas facile. Il faut avouer aussi que je ne suis pas parfaite. Hein. Mm. Moi, je suis un cas aussi. Hein. Mm. Je suis pas sainte. Hein. Je suis aussi difficile. Hein. Oui. Je ne vois pas. Je suis devant toi comme une ange, mais je suis un cas. Hein. Mm. Non, d'accord. Ça, c'est quand on s'attaque à moi. D'accord. Ah, d'accord. Dans les abeilles sont nées parce qu'on s'attaquait à vous, alors que vous êtes venu sur la toile pour vous défendre, pour vous oui, amuser, pour vous faire rigoler. Oui. Et on s'est attaqué parce à vous. Parce que certains estimaient que je n'avais pas besoin de faire ça. Et oui, je l'ai compris. Ils se disaient, mais attends, tu n'as pas besoin de faire ça. Mm. Reste tranquille. Parce que beaucoup de gens disent... Le silence, c'est l'âme absolue. Mm. Mais après, chacun a son cœur. Mm. Chacun a sa façon de réagir. Tu peux être silencieux. Moi, je ne suis pas silencieuse. Mm. Donc, moi, j'ai fait comme bon me semblait. Je n'ai pas tenu compte de ce que les gens pouvaient penser. Ah, d'accord. C'est peut-être c'est à force de tirer sur vous, c'est à force de vous combattre oui, que vous êtes devenu aussi célèbre aujourd'hui. Oui, parce que les gens se sont dit, mais attends, on ne peut pas combattre une seule personne comme ça. Vous imaginez le nombre d'ennemis que j'ai sur les réseaux sociaux. J'en ai plein. Mm. Et les étrangers, les Camerounaises, les Camerounais, moi je suis seule contre tout ça. Ah, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on vous en veut, ma foi, pour certains? Bah, je pense que pourtant, quand on vous écoute, vous ne dites parfois rien de méchant, vous êtes sympa, les vous êtes cool, vous êtes agréable, que... vous êtes adorable, vous êtes formidable, vous êtes unique, vous êtes séduisante. Les gens m'en veulent parce que, vous savez, dans la vie, on a toujours des ennemis. Oui. Même quand tu arrives, c'est-à-dire que. Même pour ceux qui ont des ennemis, hein. Oui. C'est-à-dire, moi, je me dis que les gens m'en veulent par jalousie. Mm. Peut-être parce que j'ai réussi ou ils ont échoué. Mm. Donc, voilà, je pense tout simplement que c'est ça. Ah, d'accord. Alors, Mafo, aujourd'hui, hein, tu comptes parmi les meilleures blogueuses en Afrique. Hein. On a qu'à voir, hein, quand tu te connectes sur Internet, en une minute, tu as plus de 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. C'est exceptionnel, ça. Oui, je pense que mes détracteurs ont beaucoup contribué à ma célébrité, en fait. Oui. Je pense qu'ils ont compris tard. Mm. Mes détracteurs se sont rendus compte tard que non, mais attendez, on ne fait que faire connaître cette fille, elle ne fait qu'avancer et nous, on rentre en arrière. Mm. Parce que chaque fois quand tu parles de Fleur de Lille, quand tu parles, les gens vont regarder. Mm. C'est pour ça que moi, je dis, je ne fabrique plus parce que quand tu parles de quelqu'un, tu rends la personne célèbre. Mm, d'accord. Fabrique-moi ma faute. Fabrique et défabrique. Non, il faut savoir me fabriquer. Alors, voilà. Tu es donc devenu célèbre par rapport aux attaques et tout. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne à être célèbre sur la toile? Qu'est-ce que vous gagnez? Alors, je veux d'abord vous dire ce qu'on perd parce que je ne peux pas que parler de ce qu'on gagne sur la qu'est-ce toile. Qu'est-ce qu'on perd? Commençons par là. Ouais. Pas, qu'est-ce qu'on perd? On perd ses amis. Mm. On perd ses amis parce que les réseaux sociaux, ça t'éloigne des personnes qui t'aiment. Oui. Les gens, ils ont peur. Mm. Quand tu arrives quelque part, les gens se disent « Ah, cette fille, elle peut me filmer ou quoi ?» Mm. Je ne sais pas, les gens, ils ont peur. Mm. Les amis se disent « Ouais, si on a un problème avec elle, elle va nous exposer. » Et oui, tout ça, ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. Mais mes amis savent, j'ai toujours fait la part des choses. Mm. Je ne mélange pas le virtuel et la réalité. J'ai toujours protégé mes amis, quel que soit ce que je fais. Mm. Les moments où j'ai quand même essayé de parler, c'est tout simplement parce que ces amis, ils avaient aussi réagi sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai dit, je réponds sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Alors, ma foi, il faut dire directement qu'on a vu hein, des gens qui étaient très proches de toi. Tu les appelles comment les Katangais, les Katangas? Non, le Katanga, c'est une autre team. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas les gens de la team PDG. Ah, d'accord. Ceux qui font partie de la team et qui disparaissent pour aller créer leur team, tu les appelles comment? Dans la team PDG, ça, ce sont des traîtres, en fait. Les traîtres. Moi, c'est des traîtres, c'est des Judas. Mm. Moi, j'ai surnommé ces gens-là les Judas. Mm. Parce que je me dis, si tu es avec quelqu'un, si ça ne va pas, mais attends, même dans la famille, même père, même mère, on se gâte. Il y a des moments où on ne s'entend pas. Oui. Mais tu n'as pas besoin de montrer officiellement que ouais, je m'entends plus avec elle. Tu gagnes quoi en faisant ça? Donc, les gens comme ça, franchement, moi, je trouve que c'est minable. Ah, d'accord. Ceux qui sont considérés comme tes ennemis d'aujourd'hui hein, sur la toile sont ceux-là qui ont été très proches de toi? Non, pas forcément. Il y a des personnes, déjà ceux qui ont commencé à se dire mes ennemis, parce que moi personnellement j'ai pas d'ennemis, hein. Toi, moi je suis bien avec tout le monde. Pour moi c'est le Mbakata, ce sont les c'est le Niam, c'est le Nyor Nyor. Donc ça c'est pas les ennemis, ça. Pour moi ça c'est le vrac. Non, d'accord. C'est le vrac, mais bon, on va dire que je les conseille comme mes ennemis parce que je vais les donner quand même un nom.
Donc sinon, bah, qu'est-ce qu'on se dispute? On n'a jamais sorti un même homme ensemble. Mm. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais fréquenté. Mm. Donc en quoi ils vont être mes ennemis? Ce sont des ennemis comme ça parce qu'on te déteste gratuitement. Oui. Après, ceux qui ont été mes amis, parce que oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ont été mes amis, qui se sont retournées de veste du jour au lendemain. Oui. Par simple jalousie. Des personnes que j'ai aidées, que j'ai soutenues, parce que comme je dis, je suis populaire, mais il faut que les gens sachent que sur les réseaux sociaux, à me pavaner, à m'exposer pendant 7 ans. Oui. Donc, c'est pas donné, quoi. Mm. Et je me lève du jour au lendemain, je fais leur publicité. Oui. Comme ça, je les fais connaître, parce qu'il suffit que Fleur de Lille, elle ait un téléphone, machin, pour que les gens commencent à acheter. Oui. Vous comprenez? Et les gens, ils ont beaucoup profité de ma popularité. Mais bon, moi, je fais ça comme ça. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une amie... qui m'a déjà donné un 5 francs parce qu'elle voulait que je parle d'elle. C'est tout simplement parce que moi, j'encourage. Je dis, nous sommes des Africains et puis on doit s'encourager. Si j'ai un peu de popularité, pourquoi pas faire connaître mes sœurs qui veulent s'en sortir. Ah d'accord. Alors, on s'est rendu compte tellement qu'il y a des gens qui sont prêts à tout hein, pour être célèbres sur la toile. Qu'est-ce qu'on gagne à être célèbre sur la toile, Mafo? S'il te plaît, réponds à cette question. Quand je me regarde, je me dis, bon, les gens, ils n'ont pas la même chance. Il y a des personnes qui naissent avec leur chance, que c'est Dieu qui a donné. Oui. C'est ça que les gens doivent devoir comprendre, que Fleur de Lille d'abord, elle a sa chance, que c'est Dieu même. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes une bande de Camerounaises et d'étrangers, je suis la seule qui accompagne les artistes dans le monde entier. Oui. Je suis la seule. Pourquoi je suis la seule qui accompagne les artistes dans le monde entier? C'est tout simplement parce que je suis vendable. Ah d'accord. Il faut dire que tous les grands... vraiment les fans qui sont prêts à tout pour me rencontrer. Ah d'accord. Il faut dire tellement que chaque fois qu'il y a un événement sérieux, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, au Canada, en Belgique, partout dans le monde, Mafo est invité. Vous êtes invité parce que vous êtes star. Est-ce que parce que vous ramenez du monde dans les spectacles? Parce que je ramène du monde. Parce que les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dans les soirées, pas parce qu'ils vont voir l'artiste chanter. Parce qu'ils font, parce que Fleur de Lille, c'est un nouveau produit. Fleur de Lille, elle est nouvelle. On a envie de voir qui est cette fille qui dit les vérités aux gens comme ça. Oui. C'est ça que les gens se déplacent massivement quand je suis dans des soirées. Les artistes, même, ils ont vu. Ils ont vu que... Voilà quoi. Ah, d'accord. Alors, donc, ça c'est l'aspect positif de la célébrité de la Star Mania. Oui, l'aspect positif parce que tu reçois des cadeaux. Je reçois beaucoup de cadeaux de mes fans, des gens qui m'aiment. Et je voudrais aussi dire que ceux qui m'aiment ne sont pas forcément ceux qui s'affichent. Les gens qui m'aiment, ils ne s'affichent pas parce qu'ils ont honte ou ils ont peur, mais parce qu'ils veulent rester dans la discrétion. Ah, d'accord. Parce que dans la vie, on dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Ah, d'accord. Bah, comment est-ce qu'on peut faire pour t'avoir, pour un spectacle, par exemple, quelqu'un qui organise son événement? Je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Allemagne ou n'importe où, pour t'avoir, il y a un cachet, il y a des gens qui travaillent pour toi, ça se passe comment concrètement? Il y a des gens qui travaillent pour moi, toujours les abeilles, il y a une personne qui est souvent là, vraiment. C'est tout le monde, c'est tout le monde, tous ceux qui sont dans la team, ils mettent la main dans la pâte. Quand ils veulent me contacter, ils passent par des gens qui m'entourent. Ils sont proches de vous, qui sont proches de moi. Mais la condition c'est quoi? Il faut payer un cachet, il faut payer les billets d'avion, on doit vous loger, vous venez comme un artiste. Bien sûr. Quand la dimension de n'importe qui, ça peut être petit, comme tu peux payer local, petit pays ou n'importe qui. Oui, bien sûr. Ou Pyongyang aussi, Oui, tout le monde. Comment on peut payer n'importe qui? Bien sûr, comment on peut payer n'importe qui, exactement. D'accord. C'est ça le bénéfice de la Star Mania. Oui. D'accord. On peut comprendre pourquoi est-ce que certains peuvent vous en vouloir, tout ça. Parce qu'ils aimeraient aussi être comme moi. Ah, d'accord. Il faut dire que ton nom aujourd'hui est devenu tout un label, Mafo. Oui. Un nom qui vend. Mais avant d'arriver, moi j'ai commencé à vous suivre il y a pas mal de temps. Moi je vous suivais comme ça par hasard, de temps en temps. Mais j'ai décidé, j'ai commencé à vous suivre de façon fidèle. Oui. Et environ 10 mois. C'est-à-dire, même quand je ne vous suis pas en direct, après le direct, je viens vous réécouter, je vous suis, je suis votre actualité. Et je me suis rendu compte véritablement que quand on commence à vous suivre, ça devient comme une drogue, ma foi. Oui, c'est, les gens disent, mais qu'est-ce que tu donnes à nous? Les hommes, par exemple, disent, mais qu'est-ce que tu donnes à nos femmes? Elles sont la Fleur de Lille. Mais qu'est-ce c'est comme une série, c'est comme un feuilleton. On a toujours envie de savoir la suite. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Vous voyez, je n'ai pas fait signe depuis hier. Mais vous ne pouvez pas manger du milieu de personnes qui n'arrêtent pas de taper mon mur. Je sais déjà, ils zappent un peu partout pour voir notre ma foi, elle est où, elle est où. Bon, les gens s'inquiétaient pour moi. Oh, si elle va au Cameroun, on espère qu'on ne va pas l'arrêter. Ben, écoutez, le Cameroun. Appartient à tous les Camerounais. Appartient à tous les Camerounais. Évidemment. Et il n'y a plus la justice. Voilà quoi, on ne monnaie plus pour faire du mal aux gens au Cameroun. Le Cameroun a changé. Ah d'accord. Alors Mafo, je voudrais qu'on parle de ton nom qui est devenu tout un label. Oui. Un nom qui vend. Il faut dire véritablement que beaucoup ont profité de ton nom, de ton image. Oui. Et tu as été aussi trahi, Mafo. Ouais, les trahisons. C'est comme ça dans la vie. On dit quand tu essayes
de faire ce qui t'appartient quand tu essayes de travailler, de dire je veux manger à la sueur de mon front. Il y a des personnes qui te jalousent pour rien. Voilà, il y a des gens qui veulent absolument te faire tomber, qui veulent te nuire, mais bon, après on a toujours le bon Dieu devant soi. Et puis je crois en moi, je sais que je peux. Et puis, je sais que j'ai le soutien de mes abeilles. Aujourd'hui, même les détracteurs me soutiennent aussi en cachette. Hein. Oui. Ceux qui étaient contre moi hier, aujourd'hui, sont avec moi, mais en cachette, quoi. Je le sais parce que je vois dans mes ventes. Voilà. Alors, est-ce que Facebook, finalement, est risqué quand on voit les trahisons que vous avez subies au fil du temps, Mofo? Oui, Facebook est risqué, mais en même temps, il faut comprendre que même dans les familles, il y a les trahisons. Les trahisons, c'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est pas parce que c'est que sur les réseaux sociaux. Mais les trahisons, c'est partout. La différence, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde voit et vit ces trahisons. Alors qu'en famille, voilà, qu'on peut bien cacher les trahisons d'une famille. Ah d'accord. Alors, Mofo, c'est parce que vous avez été trahi véritablement que vous avez décidé évidemment de mettre sur pied votre entreprise, votre structure. Waouh. C'est un moment que j'ai passé. J'ai été trahie, effectivement. Quelqu'un abusait de moi. Parce que dans la vie, on dit toujours, parfois tu peux avoir les moyens et ne pas savoir exactement quoi faire, utiliser. Donc, quelqu'un a abusé de moi et voilà quoi. C'est à partir de là que mes fans, la team, les abeilles ont dit, mais il faut qu'elle fasse quelque chose pour elle, il faut qu'elle fasse quelque chose. Vu qu'elle est vendable, son nom, voilà, il faut qu'elle fasse quelque chose. Et je me suis lancée avec un service qui m'entoure, service marketing, un bon service marketing qui m'entoure. On a préparé le projet pendant très longtemps. Oui. Donc, les gens n'ont même pas su. Quoi. J'ai préparé ce projet en toute discrétion. Parce que quand tu veux sortir ta marque, tu n'as pas besoin de dire, même à tes proches, ce que tu prépares. Tu travailles en solo. En solo. Donc, cela a été une très grande surprise pour tout le monde, pour tous ceux qui m'entourent. Ah, d'accord. Alors, Mofo, c'est parce que vous avez été trahi que vous avez décidé directement de prendre le taureau par les cornes. Et je remercie même pour cette trahison. Parce que ces trahisons, je remercie ces gens-là qui m'ont trahi. Hein, parce que. Ça m'a fait une bonne leçon en fait. Non, d'accord, il faut dire que ça a choqué plus d'un. Un mal point bien. Un mal point bien. Moi, je vous ai vu hein, faire en direct. Après cette trahison, je me suis surpris en train de couler une larme. Ouais. Parce que c'était vraiment très, très choquant. Parce que en fait, moi, je fais facilement confiance et je crois que c'est ce qui va. Je fais facilement confiance, j'ai fait confiance. Je ne mets pas l'argent devant une relation humaine. Oui. J'ai fait confiance parce que si je mettais l'argent devant. Je ne pense pas que j'allais avoir ce genre de choses. Parce que je mets l'argent après. Je me dis, bon, je te fais confiance, il n'y a pas de problème, on va gérer. Non, d'accord. Alors, Mofo, on reviendra évidemment sur les éditions FDL. Hein. Oui. Et j'ai également dit en début d'émission qu'on aura l'occasion d'écouter les chansons que tu aimes. Et moi, je suis tout et direct, il y a la chanson. Tu as déjà fait quoi, les gens ont vu. C'est quoi l'histoire de cette chanson avec ta personne? Tu as fait quoi, les gens ont vu. Tu as fait quoi, les gens ont confirmé. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Les personnes qui restent dans la vie, qui critiquent les gens comme ça. Pour rien, alors qu'ils n'ont jamais rien foutu de leur vie. Mais des gens qui sont incapables même d'acheter un comprimé à leurs parents ou à leurs sœurs, qui sont là en longueur de journée à critiquer les gens comme ça. Bon, c'est ça en fait. C'est ça que Mise les demande. Tu as fait quoi, les gens ont vu? Donc, avant de parler, qu'est-ce que tu as fait, les gens ont vu? Ah, ben, t'as créé les éditions FDL, tout le monde a vu. Flandely l'a fait, on a vu. Ah, d'accord. Flandely l'a fait, les gens ont vu. Confirmé. Flandely l'a fait, les gens ont confirmé. Avec l'AJ, collection AJ. Ah, d'accord. On va prendre une petite ponctuation musicale. Merci. Et on va revenir juste derrière parler des éditions FDL. Merci. Alors, d'accord. Voici Mise, ça y a fait quoi, les gens ont vu?
Tu as cassé la valise aujourd'hui. Christian est ma star, ma fiancée, la PDG, mon épouse. Tu confies le mariage. Elle a mangé son argent. Agnès, la PDG canadienne. Angèle Kenneth Production. Au fait, bien écouter la radio, c'est Royal FM, c'est incontestablement la meilleure radio sur tout d'abord d'FM. Le programme, c'est Royal Show, spécial coup de cœur avec la PDG, Mafo Flor de Lille. On a marqué une petite pause avec la chanson qu'elle aime bien écouter dans ses directs. Mafo, ça vous a plu de réécouter cette chanson ce soir, j'imagine? Ouais, très bien, vraiment merci, vous m'avez fait une belle surprise. Miss, c'est l'un de mes artistes préférés. D'accord. Je l'aime bien. D'accord. Merci d'être là pour nous ce soir, Mafo. Ah, ça explose sur Internet hein, quand t'es là, ça fait. Maman a buzz. Aïe. Le goût de ça. Le goût de chat. Le goût de chat. One, il goûte sous tes. Le goût de chat. Adé, il n'en sait pas de top pigeon tout. Hein. Yes, Adé for Cameroun. Nami don a don cam. Moi voici donc. So Adé for Cameroun a dit salut all anglophone people, all Bamenda people waiting the year for me for down on the side. Ah, d'accord. Hein? So Adé thank one for today. Alors, Mafo, merci pour le petit pidgin. Hein. Tu fais également les directs parfois en pidgin. Alors, Mafo, revenons donc sur les éditions FDL. Tu as eu l'idée parce que tu as été trahi, tu as décidé avec tes abeilles, t'as libéralement de mettre sur pied. Hein. Oui. Tu as situé les éditions FDL. Oui. Ah, d'accord. D'où t'es venu les moyens pour mettre sur pied cette structure-là? Voilà, c'est mes économies personnelles. Oui. Et puis, il y a des personnes qui m'ont soutenu. Et il faut dire que les abeilles ont apporté leur contribution. Les abeilles, vraiment, les abeilles, leur contribution, c'est immense ce que les abeilles font pour moi. Les abeilles, ils ont organisé la soirée dans le bateau à la péniche à Paris. Donc, ce sont les abeilles qui ont financé la présentation du 9 septembre. Ah, d'accord. 9 septembre, 9 octobre, ça fait moins de 2 mois, là. 9 septembre, ça fait septembre, octobre. Oui, ça fait bientôt 2 mois. Hein. Alors, s'il fallait faire un petit bilan après le lancement d'édition FDL, on dira quoi, Mafo? Alors, je dirais que FDL, c'est une nouvelle marque sur le marché, la marque de votre reine-mère, de Flor de Lille, la première africaine qui sort sa marque de parfum. Donc, vraiment, je tenais à remercier tous ceux qui me soutiennent de partout dans le monde. Oui. Parce que le bilan de 2 mois, c'est que vraiment, ça se passe très, très bien. On a épuisé notre stock. Nous avons recommandé encore au laboratoire, dont les produits seront disponibles d'ici le 25 octobre. Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes surpris hein, de l'ampleur que connaît l'édition. Je ne savais pas. Je suis très, très surprise de l'ampleur. Je ne m'attendais pas. Et d'ailleurs, on prépare une très, très grande surprise le 1er décembre. Oui, pour le lancement de notre produit. Ah, d'accord. Produit. Ah, d'accord. Ouais. Limitons-nous d'abord l'édition FDL, d'abord, avec ce coffret. En fait, FDL, c'est FDL, c'est le nom de l'entreprise. De l'entreprise. Et le premier produit, c'est le coffret. Le coffret Agi. Anti-jalousie. Ah, d'accord. J'ai dédié à mes fans et à mes détracteurs. Ah, d'accord. Quand on parle de coffret, ça renvoie à quoi, Mafo? Alors, le coffret, c'est un coffret de quelques produits, des produits de luxe. Donc c'est un coffret qui est un coffret de, on va dire, de 2 produits oui. et 2 cadeaux
voilà, deux produits et deux cadeaux. Dont le premier produit, c'est le parfum. Et puis les rouges à lèvres, les cosmétiques. Parce que les FDL, nous d'abord, c'est les cosmétiques. Et dans les cosmétiques, on retrouve les parfums et les rouges à lèvres, les laits corporels. Ensuite, dans nos coffrets, nous avons préparé deux cadeaux pour les fans. Les lunettes de soleil et le miroir dans le coffret femme. Donc, dans le coffret femme, nous avons mis une paire de lunettes de soleil, FDL, un parfum de 100 ml, parfum de luxe, et ensuite un miroir et deux rouges à lèvres. Ah, d'accord. Alors, ce qui attire du monde et ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est non seulement les lunettes, mais également le parfum, ça sent très très bon. Et vous savez, il y a l'impression qu'il y a une abeille qui est de passage au Cameroun et on s'est rencontrés. Et puis j'ai humé un peu le parfum, mais ça sent. C'est exceptionnel. Hein. Ton parfum est là. Et c'est quand mon paquet également est là. Je vais récupérer après l'émission, il n'y a pas de souci. Alors, le parfum, tu rassures. Comment est-ce que c'est conçu déjà, ce parfum? Alors, les parfums sont conçus en France, dans un laboratoire français. Tous nos produits sont fabriqués en France. Donc, tous nos produits sont fabriqués en France. Produits 100% français. 100% français. Et nous sommes une marque française, que la France a reconnu notre marque. C'est pas comme si c'était l'histoire du quartier. Nous travaillons avec des laboratoires basés en France. Ah, d'accord. Alors, Mafo, aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais que, véritablement que le produit est représenté partout, dans le monde entier. Comment est-ce qu'on fait pour représenter tes produits? Alors, pour représenter paye à l'avance? Oui, on paye à l'avance. Pour représenter les produits, il faut prendre un minimum de produits. Il faut déjà travailler avec le service marketing. Donc, quand les gens me contactent, je les envoie vers le service marketing parce que moi, je ne sais pas le faire. Il y a des personnes qui ont fait les études pour ce genre de choses. Par exemple, je suis là pour faire la pub à ma manière, pour parler du produit. Donc il y a toute une équipe qui travaille avec toi et qui t'accompagne. Qui m'accompagne. Ah, d'accord. Comment comprendre que... des réunions. Comment comprendre 2 mois après la sortie du produit, le produit est représenté dans le monde entier? C'est parce que je pense c'est magique, ça. C'est magique. Les gens même donnent un mot vrai. Et je pense que le souhait de tous ceux qui me suivent ont toujours été de se dire, il faut qu'elle fasse quelque chose pour elle. Je pense que c'est ça la première motivation des personnes qui achètent FDL. Ils achètent Fleur de Lys d'abord. Parce que pour eux, c'est d'abord ce nom-là qu'ils achètent. Ils achètent d'abord le nom, ensuite le produit. Parce que Fleur de Lys, si on ne vous connaît pas, on ne peut pas acheter votre produit, même s'il est bon. Les gens achètent d'abord le produit pour le nom, pour la marque, qui est Fleur de Lys. Ensuite, la qualité du produit. Super. Alors, produit représenté dans le monde entier, et ça se vend partout. Vous avez dit tantôt que le stock est épuisé. Il faut renouveler le stock. Il faut renouveler. Et je voulais rappeler à tous ceux qui me contactent depuis que je suis là, par rapport aux produits. Moi, je vends des produits en gros. Donc, quand j'ai déjà un représentant dans un pays, je ne ramène plus les produits parce que j'ai déjà quelqu'un qui le vend sur Douala et qui livre aussi à Yaoundé. Ce qui fait que moi, je ne pouvais pas ramener les produits à vendre. Il faut passer par le... félicitations, moi, faut vous rester professionnel. Parce que vous avez... Vous ne faites pas des tapis irréguliers. Quand je suis arrivée à l'aéroport, les gens, ils voulaient depuis l'avion, les gens, on va acheter. Je dis non, mais je ne peux pas vendre. Vous êtes de quel pays? Contactez telle personne dans ce pays. Félicitations pour ça. Donc, voilà, nous sommes professionnels. Et tout, il faut travailler, il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ne revends pas les produits. Et chaque fois qu'un produit est représenté dans un pays, nous fermons ce pays-là dans nos ventes internet, dans nos boutiques. D'accord. Alors, puisqu'on parle de distribution dans le monde entier, il faut dire véritablement que tout récemment, on a vu quelques publications concernant véritablement la représentante du produit du côté des États-Unis, du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé également avec la MAVE? Alors, je vais vous dire ici, avec la MAVE Galactique, la PDG canadienne, elle avait, j'ai fait un contrat avec elle. Parce que pour être distributrice du produit, il faut acheter minimum 1000 coffrets. Donc, en tant qu'un membre de la team, elle est la PDG canadienne. Donc, du coup, je suis tombée d'accord avec elle. On a fait un contrat. Et tout un contrat qui a été rédigé par, par Lucier. Voilà, un contrat qui a été rédigé par l'avocat, pardon. Donc, ton service juridique, en tout cas. Le service juridique, nous avons signé le contrat. Bon, moi, j'ai fait confiance. J'ai travaillé sur la base, en fait... C'est pas... Voilà, pardon, je pose juste comme ça. Donc, avec la PDG canadienne, j'ai signé un contrat de 1000 produits.
Elle devait représenter, distribuer les produits aux États-Unis, au Canada, parce qu'on a beaucoup de demandes de ce côté-là. Oui. Et puis, elle a perdu un peu de temps pour payer. Elle n'a pas respecté le délai de paiement. Vu que quand elle est repartie de Paris, elle était à Los Angeles. Du coup, elle s'est dit, bon, comme Flore, c'est ma personne, je vais rentrer, je repars à Paris dans quelques jours, je vais payer. Oui. Or, un service commercial ne travaille pas comme ça, on a besoin d'argent dans les caisses. Oui. Et pour moi, mon service marketing l'a fait sans vous rendre compte. Oui, sans me rendre compte. Le contrat n'a pas été respecté, ils sont passés à autre chose. Oui, le contrat n'a pas été... Le délai de paiement était dépassé et tout. Et puis, ils ont dit, bah, on a quelqu'un là qui est prêt à donner tout de suite pour les 1000 coffrets. Et ils ont pris l'argent parce qu'on a besoin... Pour financer, il faut comprendre que moi, je travaille avec les fonds propres. Oui. Je n'ai pas encore pris de crédit. Vous savez, quand vous commencez une entreprise comme ça, les banques, ils ne vous font pas encore confiance. Donc, je travaille avec des fonds propres. Oui. Donc, du coup, on avait besoin d'argent pour lancer les cosmétiques. Parce que les cosmétiques, il faut quand même verser un minimum de 83 000 euros. Oui. C'est beaucoup d'argent. Donc, on a trouvé l'occasion de prendre l'argent de Angèle Kenney Production. Mais la marque galactique, la PDG canadienne, elle n'a pas trouvé en ça un souci. Elle a dit tant que tu vends, parce que quand le service marketing m'a informé en disant, écoute Flore, parce que j'étais énervée, j'ai dit, mais attendez, j'ai des assises, pourquoi vous faites ça? Ils ont dit, ben Flore, il faut laisser l'histoire de famille. Là, on parle, c'est une société. C'est du business. C'est du business. Et dans le business, on ne gère pas trop la famille et tout. Donc, voilà, nous sommes désolés. Le contrat, parce que le contrat prenait effet lors du premier versement, dont elle n'avait encore rien donné, du coup. D'accord. Voilà. Alors, on est passé à autre chose. On est passé. Il y a une autre représentante du côté des États-Unis maintenant. Et ça s'appelle comment déjà? Angèle Kenney Production. Donc c'est la première qui m'a fait aller aux États-Unis, qui a cru en moi. C'est la première dame, la première fan d'abord, qui m'a invité aux États-Unis à Houston. Donc c'est la toute première qui m'a fait venir aux États-Unis par rapport à la stamania des réseaux sociaux. Ah, d'accord. Alors, la Galactique, il n'y a pas de souci, non? Non, la Galactique, elle était à Paris et on en a... Parce que j'avais un événement avec elle, un mariage Paris avec elle. Et on en a discuté. Elle m'a dit, écoute, l'essentiel... Je lui ai dit, bah, écoute, prends le Canada. Prends le Canada. Elle m'a dit, bon... Comme tu... Parce qu'elle a ramené l'argent, en fait, en fin de compte, elle m'a ramené l'argent. Mais je lui ai dit, on a déjà vendu à quelqu'un, donc je ne peux pas prendre ton argent. D'accord. Là, présentement, l'ambiance est bon enfant entre la Mave et vous, la Reine des Galactiques. Très bien, il n'y a pas de souci, parce que, attends, la Galactique, c'est quelqu'un qui veut l'évolution de la société. Oui. Elle ne peut pas dire, ouais, elle n'a pas trouvé en ça un problème. Ah, d'accord, moi, elle je, pense dit, que... je te soutiens. Elle me soutient, voilà pourquoi elle partage les publications d'Angèle Kenney. Et quand les gens demandent les produits, elle les envoie directement là-bas. Ah, d'accord. C'est parce que les gens, ils veulent polémiquer là où il ne faut pas. Ça, c'est le commerce. On ne polémique pas dans les choses. D'accord. Vous avez compris la PDG. Moi, je pose la question parce que j'ai quand même lu quelques publications qui faisaient état de ce que l'ambiance des plus bons enfants la Mave et vous. Non, il ne faut pas que les gens ils mélangent les choses. Je ne suis pas une gamine. Moi, j'ai quand même 39 ans. Donc, moi, on parle d'une société, là, on parle quand même de beaucoup d'argent. Je ne vais pas jouer avec ça. Donc, elle et moi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on est en très, très bon terme. Et je dis toujours, s'il y a des personnes qui veulent représenter les produits au Canada, bah, vous voyez directement avec Angèle Kenney Production. Parce qu'elle vend seulement avec 5 euros de plus. Ah, d'accord. Donc, elle vend en gros, en fait. Ah, d'accord. C'est entendu, la Mafo. Voilà. Ah, d'accord. Alors, on va parler d'autres choses maintenant, voilà, hein, ma chère Mafo. Vous voulez, je suis prête. Hein. On parle de tout. On parle de tout. Hein. On parle moi, de je suis tout. Ouverte, hein. Mais il faut dire directement qu'il y a, des vrais profils qui sont très proches de vous. Hein. Qui ont été tout très proches de vous. Hein. Oui. Il y a les gens Cancan, il y a les Mini Minon. Jean Cancan, c'est un faux profil. Non, j'ai dit les vrais profils. Non, c'est quelqu'un que je connais. Jean Macan, c'est pas ça? Ah, Jean Macan, c'est Dieu éternel. Dieu Jean éternel. Macan, oui. Jean Macan, c'est une confusion. Oui, il y a Jean Macan, Mini Minon, Mave, Nivakine. Voilà, j'essaie de. Tata Doudou. Tata Doudou, ouais, aussi. Tata Doudou aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre Tata Doudou qui était très proche de vous, Mafo? Oui, bon, vous savez, quand j'ai. Les choses en grande personne. Tata Doudou, c'est une personne que j'ai toujours beaucoup respectée et que je respecte d'ailleurs. Donc, du coup, je ne sais pas, elle était au Canada avec, avec la PDG canadienne. Je ne sais pas, c'est les femmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Oui. Eux, ils ont parlé d'une histoire de Missunga. Voilà, donc
elles se sont prises un peu la tête. Mmh, moi, je ne sais pas mon problème. Moi, je ne gère pas ça. Ça ne me regarde pas. D'accord. Elles sont deux grandes personnes. Elles gèrent ça à leur manière. Moi, ce n'est pas mon problème. D'accord. On se serait attendu quand même que... Chacun fait comme il veut. D'accord. Vous avez quand même essayé de résoudre le problème. C'était quoi le fond du problème, véritablement, ma faute? Le fond du problème, c'était un malentendu. C'est un malentendu parce que voilà deux femmes qui restent ensemble pendant deux semaines, qui se disent des choses, c'est normal, qui attachent ensemble les tripes, qui se confient, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire ça, quand je reviens, tata doudou qui dit je veux faire les tripes, je sais pas comment ils appellent ça, moi c'est suivi de, je savais même pas que c'est, je veux faire des tripes, bon. Il y a eu un malentendu. Et direct. Tata Doudou, elle n'a pas pu peut-être livrer tout ce qui était au Canada. Elle a dit, bah, pour ceux qui sont encore au Canada, je n'ai pas pu vous livrer, je m'en excuse, mais allez vers la Marve Galactique, elle pourra vous livrer. Oui. Donc, je lui laisse le brassard. Bon, tout le monde a compris que ça voulait dire qu'elle a formé sa sœur et lui laisser le brassard de continuer à faire le business. Non, d'accord, donc il y a eu malentendu. Il y a eu malentendu. Moi aussi, quand j'avais vu que la Marve Galactique, elle avait présenté les Misunga, là, les tripes, on va dire les tripes, j'étais très surprise. J'ai dit, mais comment ça se fait? Elles vendent déjà les tripes? Bon, après, dans la vie, moi, je dis, dans la vie, quand on marche avec quelqu'un, c'est parce qu'on veut s'en sortir. Vous comprenez? Oui. On peut apprendre et aller faire ailleurs. Ouais. Ah, d'accord. Il faut dire que elles ne sont pas dans le même pays, elles sont dans deux continents. Vous vous rendez compte? L'Europe et le Canada, c'est vraiment... deux pays opposés. Et vous savez, moi, je suis entrée au Canada plusieurs fois, donc au Canada avec la nourriture. Une fois, je suis allée au Canada, je ne sais pas ce que j'avais. Et puis, on m'a dit, bah, vous ne pouvez pas. Les saucisses sont secs. Le Canada, c'est un pays très compliqué. Donc, voilà, je ne sais pas. Elles se sont prises un peu la tête par rapport à ça. Après, ces deux grandes dames, elles se sont dit qu'il n'y avait pas de problème entre elles. Et tout, j'en ai parlé à Tata Doudou, j'ai parlé avec elle. Elle m'a fait part de... son intention de pouvoir quitter la team. Parce qu'il faut comprendre que les abeilles aussi sont souvent nuisibles. Eux, dès qu'il y a un petit truc comme ça, eux, ils prennent ça pour en faire. Parce qu'il y a eu des publications où Tata Doudou a été lynché, où la Marve également a été lynchée. Et ça, c'est, ça fait mal. Et ça fait très mal. Et parfois, je suis impuissante. Quand je vois une publication où Marve, parce que le premier tour, c'était Marve qui était tellement lynché, on l'insultait. Les gens disaient, oui, elle a piqué voleuse de concept. On l'a tellement léché. Et ce jour, j'étais en train de partir à Lille. J'ai failli faire un accident sur l'autoroute, vous vous rendez compte? Je dis, mais j'appelle Tata Doudou. Je dis, mais Tata Doudou, qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit, non, il y a quoi? Je dis, mais sur Facebook, apparemment, ça ne va pas. On a été léché la PDG canadienne. Oui. Et puis après, j'ai parlé avec Tata Doudou et tout. Mais son compte était bloqué. Elle est sortie, elle a fait un direct. Et la PDG canadienne a riposté parce que bon, nous sommes deux femmes. Tu parles, tu donnes ta version, après je donne ma version. Oui. Donc depuis le jour que Tata Doudou a donné sa version, les gens ont dit mais attends, tu rigoles ou quoi? Donc c'est toi qui lui as dit de faire. Donc ils ont commencé à lyncher Tata Doudou aussi. Du coup, Tata Doudou. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes battu comme vous pouvez pour mettre un terme à cela? Bien parce sûr, que ça, je suis quand même de deux compatriotes, deux sœurs. Oui, mais attends, c'est deux sœurs et deux sœurs qui s'entendent bien, qui ont quand même fait la viande et piments. Elles ont fait quand même un show au Canada. C'est quand même honteux. Moi, je trouvais que c'est honteux. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? J'ai essayé avec le bon. Le bien, on a essayé d'arranger. J'ai même dû dire, ouais, écoutez, elles se sont. J'ai essayé de couvrir, mais elles ont cru à Facebook. Parce que vous savez, sur Facebook, il ne faut pas forcément regarder. Telle m'a insulté, pourquoi telle n'a pas riposté? Il faut que les gens arrêtent. Ces deux mamans. Ce sont des adultes. Ah, d'accord. Oui, tel faux profil m'a insulté, supporte telle la galactique qui m'appelle. Oui, tu as vu, les faux profils sont avec Tata Doudou qui m'appelle. Tu as vu? Je suis au milieu, je fais quoi? Franchement, mettez-vous à ma place, mais je maigris. Ah, d'accord. Alors, finalement, Tata Doudou décide de quitter la team. Finalement, Tata Doudou, elle me fait part de son désir. De partir de la team. Vous savez, la team, c'est un groupe. J'ai toujours dit, c'est pas une secte. La personne qui ne veut plus part. C'est pas, je veux dire que ça soit Tata Doudou, que ça soit tous. Le jour où quelqu'un ne veut plus part, parce que... Vous me suivez depuis, j'ai commencé toute seule. Donc, si quelqu'un veut partir, ça ne sert à rien de traîner les autres. La personne qui... Il y avait beaucoup de personnes dans la team. Quand tu te sens plus bien quelque part, tu pars. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que Tata Doudou décide de partir. Tata Doudou m'a fait part de son désir de partir. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Oui. Mais seulement, reste... Ne dis plus rien. Parce que les abeilles, quand, plus tu parles, plus ils creusent. Plus tu parles, plus ils creusent. Ça ne sert à rien. Tu ne vas pas te tirailler avec des gens que tu ne connais pas. C'est des inconnus. Tu t'imagines le jour qu'ils vont se retourner contre moi. Mais je les connais déjà. Je ne vais pas calculer, tout simplement. Oui.
Donc, je dis à Tata Doudou, non, à ma grande surprise, un matin, je me réveille. Je vois que Tata Doudou, elle a fait un live comme quoi elle allait quitter. Non, mais avant ça, il y a une vidéo qui circule. Mmh. Tata Doudou qui va livrer la machine. Ça vient une commerçante. Elle est libre de vendre à tout le monde. Oui. Parce que dans le commerce, quand quelqu'un t'appelle pour dire je vais acheter, tu ne sais pas si c'est ton ennemi ou ton ami. Oui, on vend à tout le monde. On vend à tout le monde. Oui. On ne dit pas non, je ne vends pas et tout. Tata Doudou qui va faire une livraison chez une personne qui me clash souvent, une Ivoirienne, qui a l'habitude de me lyncher. Mais seulement quand Tata Doudou livre là-bas, dans cette maison, elle reste et puis il commence à papoter. Et dans les papotements, on entend la voix de Tata Doudou qui parle de qui? De son ami. Parce que moi, je dis toujours, on peut avoir des problèmes avec quelqu'un, mais on ne se plaint pas à tout le monde. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec quelqu'un avec qui tu as passé 2 semaines, et du jour au lendemain, tu t'assois chez des personnes qui ne sont même pas, excusez-moi de dire qu'ils ne sont même pas Camerounais, bon, entre guillemets. Et on entend le nom de cette personne dans une vidéo. Et cette personne, cette fille ivoirienne, qui insultait les produits FDL. Vous savez qui a fait connaître Tata Doudou? Vous savez qui a donné le nom Tata Doudou? C'est moi, Fleur de Lille. J'ai entendu comment cette fille, elle lynchait, elle insultait mes produits. Vous vous rendez compte? À sa présence. À la présence de Tata Doudou. Non, mais j'ai trouvé que c'est cruel. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser ce genre de jeu une personne avec qui tu étais hier. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais j'ai pas de problème avec elle. Du jour au lendemain, je vois des personnes qui me lynchaient, qui m'ont trahi. Commenter où? Chez Tata Doudou. Vous vous rendez compte? La trahison. Cette personne commente chez Tata Doudou. Je vois les commentaires. Je dis, mais cette femme, pourquoi? Tata Doudou, c'est une femme qui m'a donné l'eau de Lourdes. C'est quand même Lourdes. C'est quand même un endroit où on prie. Cette fille qui m'a trahi sur Facebook. Qui m'a abusé. Comprenez? Cette fille qui m'a abusé, j'ai vendu ses produits, elle ne m'a pas payé. Est-ce que vous savez qu'elle avait Tata Doudou aujourd'hui? Mais j'ai trouvé que c'était cruel. J'ai trouvé que c'était cruel. Tu ne peux pas faire ça. Ah d'accord. On comprend que la déchirure est consommée. J'ai compris que j'ai pas de chance avec des amis, tout simplement. Et franchement, les amis, j'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la vie, hein. Ah d'accord. On a dit, on parle de tout, ma fou. On parle de tout, suis prête à parler de tout. On parle de tout. Alors, on passe. Vous avez dit tout à l'heure que parfois les abeilles sont incontrôlables. Oui. Il y a des abeilles qu'on ne contrôlait pas particulièrement. Il y a des abeilles qui vous dominent. Non, il y a des abeilles qui vous dictent la loi, ma fou. Non. D'ailleurs, si les abeilles, même, c'est parce qu'on ne peut pas me dicter. Oui. Parce que ces abeilles, je dis toujours merci, vous m'avez soutenu, mais ce n'est pas parce que vous m'avez soutenu hier que vous allez vouloir me détruit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. D'accord. Tout simplement. Donc, je ne marche pas selon la loi des abeilles. Je fais ce que moi, Fleur de Lille, je fais. Les abeilles ne peuvent pas me diriger. Les abeilles me font des suggestions. Fais attention. Mais dans la vie, on peut faire attention à tout le monde. On a besoin de vivre. René Francis, je ne vais pas vous rencontrer pour aller prendre un verre. Je vais faire attention, donc j'ai plus de vie. J'ai quand même une vie. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Après, on a sa vie réelle qui est à côté. On a besoin de vivre aussi. Ah, donc, les abeilles, comme ce soir, je profite pour dire à tous ces abeilles qui sèment le truc dans la team pédégiste, si vous n'êtes plus d'accord avec moi, si vous n'aimez plus la team, vous partez, vous changez tout simplement le nom de votre profil, vous partez soutenir d'autres personnes. Voilà, vous collez la paix à la team pédégiste. Merci. D'accord. Le message est passé, ma faux. Oui. On va écouter notre chanson. Hein. Merci. Zangalewa, non? Oui. Oh, d'accord. Tu joues très souvent cette chanson hein, dans tes directs. Surtout quand je vais donner un avertissement. Ah, d'accord. Bonjour. Ah, d'accord. On va donc écouter Zangalewa du groupe Zangalewa. Et on revient juste derrière avec notre PDG. On écoute ça. C'est comment tu as là? Je suis pas là. C'est Jonker aussi. Ah ouais. Et la belle femme, la star de l'histoire, comment tu vas? Ça va bien, maman. Tu es arrivé ici? Oui. Au Cameroun? Oui, je suis au Cameroun. La terrible. L'incontournable. L'incontournable. Alors jusqu'ici, ça se passe bien, l'interview, ça va? Vous êtes satisfait là? On écoute une petite musique, hein. On souffle un peu parce que... Tu m'appelles la peine. Hein? Les gens vont appeler. Non, tu veux qu'on dise la peine, la peine. Tu veux que les gens vous posent des questions, ils veulent savoir quoi. Bon. Je sais pas. À un moment donné, sur nous, on ouvre. Bah, tu peux ouvrir. On essaie quand même de.
de parler de tout, ma soeur. Ouais, on parle de tout, non. On a encore le même temps là. Ouais, tu peux ouvrir. Jusqu'ici, ça se passe, non? Ça va, non? D'accord, ok. On pose juste les questions hein, et on répond, hein, c'est tout. Il n'y a pas... Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de règlement de compte ici. Donc on fait juste la radio hein, et on est là pour apporter l'information à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi. Donc nous ne sommes pas là pour les intrigues. Moi, je fais mon job, hein, c'est tout. Donc, on vous salue. Hein. On écoute un peu Zangale, on ne bougeait pas. Partagez, non? C'est comment? L'époque, quand la reine Mekong, quand les États-Unis d'Amérique, quand les États-Unis d'Amérique, la tenue militaire, je sens que le militaire qui va aller donner ça aux États-Unis, quand il voit sa tenue là, il se dit que ouais, j'ai donné la. Tu as oublié Kalamongo. Kalamongo. Oui. Ah, c'est un. Oh, Kalamongo, on va parler. C'est le pouvoir, c'est lui. On parle de Kalamongo. Kalamongo, c'est la magie. Kalamongo, le pinel. Tu sais quoi, Francis? Voilà, j'avais mon goat, le sextoy, à l'aéroport. Les gens qui fouillent les valises, non, tu sais que le sextoy, c'est quand même plus que. C'est électronique. Ils m'ont dit, ils ont sorti, j'avais honte. Mais tout le monde regardait, hein? C'est elle qu'on voit sur. On avait vu mon frère. Oui. Donc, ils ont dit que c'était elle. Ils ont dit, mais attends, tu parles. Ouais, j'ai dit, mais attends, j'ai pas de réponse, c'est comment? Ils ont dit, ah bon? J'ai dit, tu sais, ils sont curieux. Hein? Ouais. Ah, maman, tu sais, tu. Alors, les intellos, ils l'ont là-bas. Attends, tu sais quoi? Les gens ont regardé ça pour ça que. N'était dépassé. Non, moi j'ai ça m'a fait ça m'a. En fait, c'est français. J'ai fait exprès. J'ai mis ça là où on va voir. Tu, j'ai fait exprès. Tu vois, j'ai mis dans mon sac à main. Je savais qu'on va sortir ça du sac. Le désordre de ça. Non, la dame, mais madame, moi, c'est pas mon. Tu sais, les femmes qui fouillent là. Quand elle a fouillé, elle voit les lettres. Ça fait zizou. Madame, c'est quoi? Je dis non, c'est le pouvoir. Elle dit, autour, tu connais les blancs. Mais ouais, tant pis. Hein. Je sens qu'elle voulait dire que mais c'est pas un enfant où il y a les gros par ce gars. Mais il y a les gros par ce gars. Francis, je dis que j'ai mis ça là où on voit. Donc j'ai fait exprès, j'ai mis dans mon sac à main comme ça. Donc quand elle a posé votre sac, je savais que la machine va détecter, on va enlever. Je voulais seulement qu'on voit qu'elle voyage avec. Donc ils ont pris ça, mais ils ont d'abord dit qu'ils vont retenir. J'ai dit mais attendez, vous retenez, je fais comment? Ils m'ont retenu. Elle dit, tu sais quoi? Et quand il a pris, il a fait que ses collègues voient. Tu connais les blancs, non? Il a fait tout pour que ses collègues viennent regarder. Et oui, il a dit à ses collègues, mais c'est la dame qui a aussi. Maman, et tu connais? Elle s'est dit, c'était les Camerounais. Alors elle tu connais les Camerounais, là? On peut se tourner comme ça. Non, est-ce que le gérant savait que c'est bon, mais la fille, c'est. Tu déranges, fort. Tu voyages avec le truc. Donc tu marches avec ça, vraiment. J'ai dit que, mais attends. Il y a quoi? J'ai ça. Alors qu'il y a les gars prêts au Cameroun. Que c'est la pile finie. Tu avais dit que non, c'est pas la pile. Le tout, si on branche ça, comme le vous faites bien écouter la radio, c'est Royal FM, c'est incontestablement la meilleure radio, surtout d'abord de faire. Non, tout ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'était en off. Maintenant, nous sommes à l'antenne. Ah, ok. Maintenant, c'est nous sommes à l'antenne. L'autre, c'était la causerie en off. Là, maintenant, nous sommes à l'antenne. Alors, alors Bafo, quand tu fais tes directs, quand on écoute cette chanson, ça veut dire qu'il y a une sortie fracassante. Oui. Quand la reine mère, mes angaïwa, ça veut dire que c'est feu, quoi. Feu à volonté. Oui. C'est la fin de la guerre. Ah d'accord. On s'est dit à un moment donné que Mafo est devenu PDG, forcément il sort des clashs. Vous y êtes toujours, Mafo? Bah, c'est ça quand même qui me fait aussi. Hein. En fait, je fais souvent des clashs un peu organisés. Hein. Genre, je veux parler juste... Parfois, je peux lire un commentaire, c'est rien de grave, mais je vais extrapoler, je vais faire comme si quelqu'un m'a insulté. Comme ça, ça va me donner l'occasion de passer à autre chose.
de faire une transition. Ah, d'accord. Oui. Super, oui. Super ça. Donc, ma foi reste quand même dans les clashs, de toutes les façons. Mais ce n'est plus les clashs de fabriquer les gens, non. Je reste des clashs avec mes gens là. Ah, d'accord. Les abeilles là. Ah, d'accord. Mm. Et maintenant, alors, ma foi, il y a. Comment on dit? T'es troublé là. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais te demander. Voilà. Il y a les prochains produits qui sortent là. Oui. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit du lait corporel, hein, du lait de toilette. Voilà. Une gamme éclaircissante et une gamme hydratante matifiante qui sort le 1er décembre à Paris. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est, quand vous parlez, c'est l'audience sans, c'est ça? L'injonction des blancs, ce n'est pas un injonction violent. Parce que les blancs, vous savez, on travaille avec des dermatologues. Déjà, moi, je suis en train de tester le produit. Parce que s'il y a un problème de santé, si quelqu'un met mon produit et qu'il y a un problème, il peut me porter plainte. Oui. Donc, ça passe dans tous les laboratoires, les tests, et puis ils ont validé la formule. L'État français a validé la formule de nos produits. D'accord. Donc, en décembre, d'ici décembre, le produit sera disponible sur le marché. Ça va faire boom. Hein. Mais ouais, les hommes, hein, tout le monde attend parce que c'est un lait hydratant. Ça dit que c'est un lait, c'est pharmaceutique. Hein. C'est des produits qu'on peut vendre. D'accord. Vous avez déjà une idée de combien est-ce que ça, du prix, etc. Oui. Ouais, dites-nous un peu. Le prix sera de à peu près 150 euros la gamme, 100 000 francs la gamme de 5 produits. C'est un produit que vous pouvez utiliser entre 4 et 5 mois. Ça va coûter combien? 150, 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. À peu près, hein. Je ne sais pas trop, mais D'accord. Pas trop. Ah, d'accord. Il faut dire effectivement que l'édition FDX, c'est toute une entreprise aujourd'hui, hein, Mafo. Vous employez combien de personnes c'est déjà? C'est une entreprise. En fait, j'emploie 5 personnes. 5 personnes qui travaillent pour vous en plein temps. 3 personnes qui travaillent en plein temps et 2 personnes qui travaillent combien d'heures par semaine, qui travaillent à la tâche. En CDD, qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent peut-être 3 heures par jour. D'accord. Ah, d'accord, mais c'est super ça. Il faut dire évidemment que l'édition FDL, c'est une entreprise digne de ce nom parce que vous avez fait des directs, vous avez présenté vos bureaux. Oui, exactement. Nos bureaux sont en France, à Beauvais. Et dans nos produits et dans nos bureaux, on reçoit uniquement les grossistes. On ne reçoit pas les détaillants. Les détaillants, on ne reçoit que des grossistes dans nos bureaux. Donc nous ne vendons pas les produits en détail dans nos locaux. Quand quelqu'un, un grossiste qui arrive, on a une dame qui est venue du Gabon, nous présentons comment le produit est fait. Comment ça se passe, le produit. Et nous avons d'ailleurs on a une représentante en Côte d'Ivoire qui sera là donc chaque fois parce que c'est très important de travailler sur la base de confiance. Quand quelqu'un vient acheter vos produits, il faut que la personne se dise si demain j'ai un problème, je vais où. D'accord, c'est pas l'erreur que vous avez commise par le passé. Par le passé, c'était le vrac, hein. Franchement, cette histoire, c'était le vrac. Parce que les produits, il faut avoir un bureau, le nom du laboratoire, tout ça. C'était les trucs. Les codes de barre sur les produits, etc. Voilà, etc. C'est le vrac, quoi. Les produits de la reine, mais le code de barre, tout est fait, je dis bien, en France. D'accord. Voilà. Donc, c'est très important. Dans le prochain produit, c'est en décembre, vous l'avez dit tantôt. Oui, c'est en décembre. Donc, le lait corporel qui est le Johnson. Donc, le nom, les gens sauront officiellement que je présente. C'est un produit éclaircissant qui, le résultat, c'est sur un mois. Parce qu'un bon produit, c'est ce produit-là qui va lentement et sûrement. C'est pas un produit qui gâte la peau. C'est pas le brûlé-brûlé. Non, c'est pas le brûlé-brûlé. C'est pas le Fanta Coca. Voilà. Alors, Bafo, il faut dire directement que le lancement des produits FDL s'est fait de façon exceptionnelle, dans un bateau. Vous avez appelé ça quoi? La péniche. Oui. Il y avait du monde. C'était du jamais vu, ça. Oui, c'était du jamais vu à cet endroit, sur les quais de Seine à Paris. Un endroit très célèbre à Paris. On n'a pas fait dans la dentelle, parce que c'est des produits de luxe. On voulait frapper fort pour montrer aussi à l'homme blanc, l'Africain peut. C'est un risque. J'ai mis beaucoup d'argent pour ça. Mais j'avais envie de montrer parce qu'on a toujours l'impression que l'homme blanc nous sous-estime en fait. Il se dit toujours, les Africains ne peuvent jamais faire ce qui est bien aussi. Donc là, nous avons joué sur ce coup-là. Et je pense que ça a fait quand même beaucoup de bruit à Paris. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour le lancement du prochain produit qui arrive là? Qu'est-ce qui est prévu? C'est secret, mais ce serait toujours dans le luxe. On verra, on veut essayer de rénover, toujours de trouver des endroits très bien. Parce que les Africains, ils sont habitués dans le bruit. Vous voyez,
ils sont habitués dans le 17e, les trucs bizarres, les trucs des ailes de poulet, des odeurs, non. Mm. Nous, on a dit c'est le luxe, on va travailler comme les Européens. Ah, d'accord. On va essayer de faire bien. Ah, d'accord. Oui. On fait dans la classe, quoi. On fait dans la classe. Lors du lancement du premier produit, on a quand même vu tes anciens ennemis d'hier. On a également vu beaucoup d'artistes qui sont venus te soutenir, oui. Lady Ponce qui était là, d'ailleurs, que je remercie. Je fais un big up. Mm. Et je remercie aussi un grand footballeur qui a commandé ses produits. Je remercie tous ces gens-là qui étaient là ce jour. Le couple Amote qui ne me lâche jamais, mes abeilles. Mm. Yvain Gomatip. Vraiment, je ne peux même pas citer. Parce que si je commence à citer là, la grande classe parisienne était là. Mm. J'ai eu le soutien de partout dans le monde et je les remercie infiniment pour ça. Ah, d'accord. Alors, quelle est la place que Sabelito occupe dans votre vie, ma foi? On parle de tout, non? Non. Non. Mm. C'est quelqu'un que je connais aussi. Moi, je vous ai vu faire un direct, vous prenez la défense de Samuel Eto, bec et ongle. Non, Samuel Eto, je le défends parce que je me dis que bon, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Cameroun. Mm. Je ne le défends pas parce que j'attends quelque chose de lui. Vous n'avez pas une relation particulière? Non. Vous ne vous appelez pas de temps en temps? Non, non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ben, je suis qui pour être... pour le... je suis qui? Alors, bref, non, je n'attends rien de. Ah, d'accord. Est-ce que tu es toujours. Pas le soutien de sa part. Ah, d'accord. Est-ce que tu es toujours sérieuse quand tu fais tes directs? Non, pas toujours. Mm. Je dis beaucoup de choses dans la rigolade. Hein, parce que je me dis que c'est dans cette façon-là que les gens. C'est cette façon que les gens y comprennent mieux les choses. Ah, d'accord. Alors, parlons un peu de la PDG TV. C'est votre chaîne de télé en ligne, non? Oui, la PDG, c'est une page officielle. Hein. Non, d'accord, ça consiste quoi? À résoudre les problèmes des uns des autres, ceux qui ont des problèmes, des soucis, qui aimeraient avoir une solution. Ils passent par la PDG TV. Oui, la reine-mère défend les femmes mariées en détresse. Hein. Les femmes qui se font... Avant, c'est ce que je faisais, j'ai toujours soutenu les femmes mariées. Qui se font combattre par les femmes de dehors, non, pas les maîtresses. Oui. Donc, je défends les femmes mariées en détresse. Ah, d'accord. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ces femmes mariées que je défends en détresse, ce sont elles-mêmes qui deviennent mes ennemis en cachette, en fait. Mmh. Ouais. Ah, d'accord. Donc, du coup, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Mais malgré tout, la PDG TV avance quand même, non? La PDG TV avance et a créé un concept, les révélations. Si quelqu'un a son problème, tu viens parler toi-même. Ah, d'accord. La reine-mère ne prend plus rien sur son dos. Ah, d'accord. Chacun prend ses responsabilités de faire ce qu'il veut. Vous traitez les grands chantiers. Et vous laissez les finitions. Les chantiers, vraiment, les hommes. Vous traitez les grands chantiers, les finitions, ça regarde les abeilles. Oui, alors, quel est le chantier que vous avez traité qui vous aura particulièrement marqué hein, au sein de la PDG TV hein? Il y a beaucoup de chantiers dont je ne saurais citer. Mm. Donc, voilà, les chantiers. Vous savez, en Europe, il y a beaucoup l'ennui, le stress. Mm. Donc, la reine-mère, c'est d'abord quelqu'un qui déstresse. Mm. La reine-mère est suivie par qui guérit. Mm. La reine-mère guérit. Les malades. Oui. Parce qu'avoir un sourire, c'est pas facile de faire rigoler quelqu'un. Hein. Mm. Parfois, on passe des moments difficiles dans sa vie, on a envie de rigoler. Et quand tu ris, parfois tu rigoles, ça change ta journée en fait. Oui. Tu te lèves nerveux, nerveuse. Dès que tu vois Fleur de lit, oh là là, tu dis que c'est la folle là encore, mais ça te fait plaisir. Mm. Donc c'est une guérison. Non, d'accord. Mm. Alors, quel est le dossier qui t'aura véritablement marqué au sein de la PDG TV? Le dossier, c'est les gens d'en face. Hein. Mm. Les gens d'en face qui. Les gens qui sont ensemble aujourd'hui, demain, ils viennent faire des révélations sur la PDG TV. Mm. Vous savez, la reine-mère ne refuse pas les dossiers. Mm. Surtout des détracteurs, là. Mm. Quand ils se gâtent, moi, je suis trop fière. Mm. Je dis, voilà, ça montre qu'ils ne sont pas vraiment solidaires. Mm. Donc, quand les détracteurs se gâtent entre eux, je suis fière. J'ouvre la PDG TV, je dis, venez parler ici. Ah, d'accord. Nous, on va écouter. Mais il y a des dossiers, il y a des chantiers que vous refusez aussi. Oui, il y a des chantiers que je refuse. Ouais, quand... beaucoup de chantiers. Mm. Parfois, je refuse mes amis. Vous ne prenez pas les restes aussi? Oui, je ne prends pas les restes des dossiers, les chantiers. Mm. Les chantiers abandonnés, là, non. Mm. La reine-mère ne prend pas les... Les restes. Ah, d'accord. Mais... Il y a également certains qui viennent vous voir avec des faux dossiers aussi, non, au sein de la PDG TV. Oui. Le dernier dossier en date, c'est un qui a perdu, c'est pas sa mère, etc. Oui, et oui qui... il y a des faux dossiers. Mm. Les dossiers, vraiment, même les abeilles refusent de travailler dans ce chantier, quoi. Mm. Comme la jeune dame qui a perdu sa mère, mais son intention, elle était plus intéressée par l'Europe que par le deuil, la mort de sa mère. Oui. C'est dur parce que, vous voyez, quand nous partons en Europe comme ça, on se bat pour nos enfants qu'on a laissés. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on traverse comme tous les risques qu'on prend pour nos enfants qu'on a laissés. Oui. Tu te rends compte, un enfant comme ça, qui manque le respect à sa mère, qui, tout son problème, c'est qu'on voit moi de l'argent, mais ce n'est pas facile. Mm. C'est une Camerounaise qui est décédée comme ça.
les circonstances dont je ne saurais donner ici sur place, mais elle a été tuée par quelqu'un. Ah d'accord. Alors, elle a risqué sa vie. Je pense qu'elle n'avait qu'un seul enfant. Et je pense que même si elle faisait toutes ces choses-là, c'est parce qu'elle voulait rendre bien son enfant. Ah, d'accord. Vous savez, nos enfants nous poussent souvent à faire ce qu'on ne veut pas. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas envie d'aller, mais tu pars parce que ton enfant te met la pression, envoie-moi l'argent, fais ceci, t'es obligé de sortir. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est un chantier qui a été abandonné de toutes les façons. Oui, c'est un chantier abandonné. Ah, je dis, bon, c'est un chantier abandonné parce que quand j'ai fait cette émission est passée, il y avait des gens, moi, j'étais prêt à lui payer un billet d'avion. Je savais que c'était vraiment sérieux, mais je me suis rendu compte qu'elle était très impolie, arrogante, très hautain et... moi, je... Tu as abandonné le chantier. Oui. Autre chose, on a tellement de choses à se dire, hein, ma faute. Il faut dire directement que récemment, la communauté artistique a perdu une artiste, Clarisse Wobsor. Clarisse Wobsor, oui. Ah, d'accord. Il faut dire véritablement que c'est vous qui informez le monde entier du décès de Clarisse Wobsor. Et suite à ce... Et vous avez pris la peine de vous déplacer pour aller palper du doigt, toucher du doigt. Vous savez, moi, j'ai toujours... Je suis d'abord une dame au grand cœur. Je suis une personne qui n'a pas connu que le bonheur. Je ne suis pas d'une famille riche. Voilà. Donc, quand je vois le malheur, ça me fait mal de voir les gens qui souffrent. Avant Clarisse Wobsor, il y a une autre artiste là qui était malade. Dont Natacha Bizot perd son âme, dont j'ai fait cotiser l'argent par les fans que vous voyez. C'est pour ça que j'ai Facebook et aussi le bénéfice. Parce que si les gens se permettent de cotiser, il y a des choses qu'une famille même ne peut pas faire. Les personnes qui vous connaissent en réel ne feront jamais. Donc les abeilles, ils ont coûté près de 1200 euros. Que je suis allée remettre à cette dame de son vivant, je ne l'avais jamais vue de ma vie. J'ai sonné chez elle pour dire voilà ce qu'on t'a apporté. Ah d'accord, pour le cas de Clarisse Wobsor, il faut dire tellement que c'est toi qui annonces le décès, c'est toi qui te déplaces, tu vacilles les lieux. Voilà. Et par la suite, la fête tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre parce que ces gens décident de me porter plainte. Alors, quand Clarisse Wobsor décède, un soir, je suis comme ça en train de faire le live. Il faut comprendre que je suis connue pas les Camerounais, pas beaucoup d'Africains qui me suivent. Et un soir, pendant que je suis en train de m'amuser, une personne m'appelle et me dit, il y a une Camerounaise qui est décédée, ça fait 4 jours, on a découvert le corps aujourd'hui. Et cette fille se confie à moi en disant, je vis aussi dans le même foyer, mais je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Parce qu'en Europe, se retrouver dans un foyer, c'est une honte. Des fois, c'est... Et c'est cette dame qui vous annonce le décès. C'est cette dame qui m'annonce le décès. Je doute d'abord, je demande, elle est comment? Elle me dit, c'est une dame qui fait souvent la manche, qui porte une grosse croix, qui fait la manche. Elle me donne quand même les indices qui prouvent que c'était Clarisse Wobsor. Et elle m'envoie une vidéo de son corps, mais que je n'ai pas voulu mettre sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Le matin, j'ai démarré, je suis allée dans cette ville-là parce que j'avais envie vraiment d'avoir une confirmation sur que... Parce que les gens, ils disent, ouais, c'est le buzz. Vous savez, même en Europe, quand quelqu'un décède ou bien quand quelqu'un se perd, on utilise tous les moyens possibles pour annoncer, pour faire passer l'information. Donc, les gens se sont dit, Fleur de Lille, elle a fait ça pour le buzz. Alors que ce n'était pas ça, je me suis déplacée, je suis allée dans cette ville. C'est grâce à vous que le monde entier a su. Le monde entier a su parce que c'est vrai, entre guillemets, les gens de chez eux, ils ont commencé. Personne n'était, vous rendez compte, une artiste comme celle-là. Je suis allée, il n'y avait personne, il n'y avait qu'une dame et un blanc qui étaient là. Personne, aucun Camerounais, j'étais seule. Je suis entrée, j'ai vu la femme blanche, j'ai demandé la dame qui est au foyer. C'est la dame qui dit oui, elle est bel et bien décédée, c'est vraiment elle, et elle donne tout le nom de la dame. Et c'est comme ça que vous faites un direct pour passer l'information. Et c'est comme ça que le monde entier est informé. C'est comme ça que le monde entier est informé au moment de faire la veillée à Paris. Après, la famille se manifeste et décide de me porter plainte. Et la police a dit, mais attendez, vous n'avez pas porté plainte quand même à quelqu'un qui vous a fait, vous étiez où? Vous étiez c'est grâce à elle. Donc vous vivez, donc en fait, elle est morte, mais elle avait la famille, quoi. Parce que pendant qu'elle était dans ce foyer, on n'a jamais su qu'elle avait la famille. Quand elle décède, les gens se manifestent en disant, soi-disant, ils sont du même village que elle, ils sont de la famille. On décide de me porter plainte et la police m'appelle. Et la police dit, c'est Chantal ici d'abord qui m'appelle. Parce que Chantal ici dit, mais attends, elle était là-bas aussi. Et ces gens-là sont arrivés, vous connaissez comment les Africains sont, elle a mis sur Facebook, les gens sont au courant. On leur dit, mais elle a informé, c'est très bien, elle a informé le monde entier, sinon on l'aurait jeté ici.
et tout, son compte ne serait jamais arrivé au Cameroun, on l'aurait abandonné. D'accord. Est-ce que la plainte a prospéré finalement? Ça a été abandonné? Non, elle n'a même pas. En fait, elle a posé la question. La police, on lui a dit, attendez, c'est cette dame plutôt qui va vous porter plainte. Mmh. Vous sortez d'où aujourd'hui pour dire votre soeur est décédée? Une personne qui vous fait, qui annonce le décès de votre soeur et vous venez dire que vous voulez porter plainte. Ah, d'accord. Après cela, il y a eu une grande mobilisation des artistes pour l'organisation des obsèques. Non. Et après, les gens se sont désolidarisés. Oui, les gens sont désolidarisés. Parce que cette famille. Elle a une sœur qui n'est pas vraiment très bien, quoi. Donc, ils ont fait en cachette et tout, les artistes même. D'accord, on tourne la page sur la question. Merci. On a dit on parle de tout, non, ma frère? On parle de tout, moi je suis prête, hein. Ah, d'accord. Nous avons également cru entendre véritablement que vous étiez interdit d'entrer au Cameroun. Et que si vous arrivez au Cameroun, allez mettre la main sur vous, vous allez vous retrouver en tôle. Oh là là, c'est... Mais vous êtes là, vous êtes à la radio, vous êtes. Il faut qu'on en parle aussi, hein. Ah, vous savez, en Europe, les gens pensent que, je sais pas, vous savez, quand les gens, ils ont un peu les petites miettes, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Quand l'argent finit, les gens ne vous gèrent plus. Vous savez, quand vous avez un peu les miettes là, les gens, ils vous promettent les choses qu'ils ne feront jamais. Effectivement, il y a quelqu'un ici qui a vu un commissaire a donné de l'argent, j'ai les preuves. Le commissaire a pris de l'argent en promettant m'arrêter dès mon arrivée. Ils ont fait une fausse plainte à Interpol, quelque chose qui est interdit par la loi. Ils ont posté sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le nom qui était là-bas, c'était Fleur de Lille. Je ne m'appelle pas Fleur de Lille. À cette époque-là, Fleur de Lille, ce n'est pas mon nom. Fleur de Lille, aujourd'hui, c'est le nom de ma marque. Si quelqu'un s'attaque à Fleur de Lille, ça veut dire qu'il s'attaque à une entreprise. Oui. Mais avant, Fleur de Lille, c'était un surnom comme ça. Donc, je suis bel et bien au Cameroun. Ah, d'accord. Vous avez vraiment donné des ultimatums par rapport à votre marque, par rapport à votre entreprise. Vous avez dit, si quelqu'un fait encore Niak, comme vous avez l'habitude de nous dire. Niak, mais, c'est... Mais j'ai cru avoir vu une vidéo où quelqu'un véritablement essayait moi je dis Niak, parce que vous savez, les blancs, l'homme blanc, il faut parler souvent avec les preuves. Oui. Les gens... J'ai dit, quelqu'un qui veut s'attaquer à moi prend mon produit et présente mon produit en disant ce qu'il veut. Et il verra ce qui va suivre derrière. C'est pas venir parler comme ça pour rien. Viens avec le coffret, agis, tu parles en montrant mes produits, tu verras ce qui va arriver. Je m'occupe pas des perdus de la nature, des personnes qui sont arrivées en Europe, qui sont perdues là-bas. La bœuf peut les tuer là-bas. Non, je m'occupe pas des drogués, on va dire, des personnes qui passent leur temps à taper la coque. Vous savez, il y a les Camerounais qui sont perdus en Europe, qui sont vraiment toxicaux. Hein. Quand je vous dis toxicaux, c'est la cocaïne en longueur de journée. Je ne m'occupe pas de ce genre de personnes. Parce que c'est des personnes qui ont besoin d'être soignées. D'accord. Alors, Mafo, vous êtes mariée déjà? Je suis femme mariée, effectivement. Je suis mariée. Hein. Je n'ai jamais été divorcée. Je suis mariée. Je m'appelle Madame Chevalier. Je suis séparée. Oui, c'est vrai, ça fait 4 ans que... Je suis toute seule, bon, c'est un choix. D'accord, vous êtes toujours seule. Parce que j'ai tellement été déçue. Il y a quelqu'un dans votre vie? Il y a un homme dans votre vie, ma foi? Non, il n'y a personne dans ma vie. D'accord, mais... vous êtes un cœur à prendre alors? Un cœur à prendre. Est-ce qu'on peut vous faire la cour? Bah, quelle femme n'aimerait pas se faire draguer? Ah d'accord, est-ce qu'un homme qui vous fait la cour peut avoir une chance? Bah, oui, pourquoi pas, mais bon, après, moi, une relation sérieuse, c'est quoi, pas c'est... trop mon truc. Non, une relation sérieuse, t'as pas besoin. Pourquoi? Moi, je sais pas, ça m'intéresse pas. Moi, une relation comme ça, d'un soir, s'amuser, s'envoyer en l'air, oui, mais dit que se marier, ça m'intéresse pas. Relation d'un soir comme ça, ça d'un soir dit, en passant, le lendemain, déjà, ni on vu passe ni des connu. Bons moments. Oui. Non, pas ni vu ni connu. On passe des bons moments, mais après, chacun a sa vie. Ah, d'accord. Donc, Mafo n'a plus envie de se marier. C'est pas que je n'ai plus envie. J'ai envie. Quelle femme, quelle maman, quelle mère ne souhaite pas voir sa fille dans un foyer? C'est le rêve de tout le monde. Hein. Mais c'est que être dans un foyer où tu souffres de... Non, c'est ça. Pour le moment, vous n'avez pas l'intention de vous marier. Parce que j'aime quelqu'un dans ma vie. J'ai beaucoup aimé quelqu'un. Et peut-être parce que cette personne... J'ai pas encore fait le deuil de la relation totalement. Ok, le boxeur? Oui. D'accord. Alors, donc vous êtes seule là maintenant. Vous n'avez pas de petite amie. Le boxeur, nous, on coupe souvent un peu, de temps en temps. D'accord. on coupe, mais il n'y a plus le sucre sur ça. Quoi. D'accord. On coupe, mais. D'accord. Est-ce qu'on... Comme ça. D'accord. Juste pour entretenir la toile d'araignée. D'accord. Est-ce qu'on peut te faire la cour et est-ce qu'on peut t'avoir comme copine? Est-ce qu'on peut te faire la cour et t'avoir comme ma copine, par exemple? Non. Est-ce que je peux fonder quelque chose de sérieux avec toi? Moi, j'aime pas les personnes populaires, les personnes connues, les stars. Je peux pas.
être en relation avec une star, avec quelqu'un de célèbre, non? Ah d'accord, possible. Parce que en fait, comme je suis déjà très populaire, je veux avoir un homme qui est incognito, que les gens ne connaissent pas. Ah d'accord. Quelqu'un de discret, parce que si deux personnes, non, ça ne va pas. Ah d'accord. Est-ce que les hommes ont parfois peur de vous aborder? Oui, les hommes ont peur de moi, oui, effectivement, ils ont peur de moi. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, ce n'est pas bien, parce qu'il y a des hommes peut-être qui veulent être avec moi, mais ils se disent, mais cette fille-là, ah, Facebook-là... Ah, mais elle est sur Facebook. Voilà, c'est quand même un truc. Hein. Mmh. C'est quand même les chances que tu perds. Hein. Mmh. Ouais, j'aime bien Flore, mais elle est quand même sur Facebook. Hein. Vraiment, ma famille ne va pas accepter parce que ouais, les Africains, quand même, on regarde la famille. Vous ne voyez pas les Africains. Oh, j'aime bien la reine, mais si je dis donne-moi ton frère, ils ne vont pas donner leur frère. Hein. Mmh. Ah oui, ils ne vont pas donner leur frère. Ah, d'accord. Ils vont dire non, 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 non. Ah, d'accord. Ça, c'est entendu. Alors, Mafou, on va parler de quelques abeilles. Hein. De quelques abeilles. Qui font le buzz autour de moi, je vous suis. Hein. Oui, merci. D'accord. Il y a par exemple une abeille comme Magina Laure Chevalier, par exemple. Magina Laure Chevalier, oui. Vous connaissez, non? Non. Vous connaissez quand même ce nom, non? Oui, je connais le nom. Vous suivez ses directs, vous suivez ses posts, non? Oui, pas toujours, mais oui, en passant. En passant aussi. Oui, ah, d'accord. Vous avez même dit un mot sur les abeilles, hein. Oui. Sur les noms que je vais citer. Hein. Oui. Ah, d'accord. Corinne Berthier. Très têtue celle-là. Mmh. Franchement, elle, j'aimerais lui donner deux claques. Hein. Mmh. Elle est trop têtue là. Elle là, c'est elle qui m'énerve en ce moment, je sais pas. Mmh. Je sais pas, elle m'énerve. Mais bon, je l'aime, mais elle m'énerve, mais bon. Ah d'accord. Je sais pas comment faire pour que vous n'ayez plus trop la voix là dans les trucs. On va avancer. Kiara Bongo. Non, je connais pas. Tu connais pas Kiara Bongo? Faux profil. Ah, connais pas. Oui, oui, oui. Mmh, ouais. Tu connais. Et Makala Baboubé. Oui. Tu connais. Oui, non, c'est les abeilles, c'est ça hein? Les abeilles, oui. Ah, oui. Moi, je vous suis sur Internet. Hein. Pour préparer une émission avec vous, je prends du temps, je me prépare. D'accord, oui. Vous voyez, j'ai pas de bord, non? Oui. Ah, d'accord. Et Kiara Bongo, Magina Purity. Ouais, elle est très, très active sur les réseaux sociaux. Une personne qui travaille nuit et jour. Guillema. Oh là là, Hero News, Guillema, c'est mon fils. Lui, là, je sais pas comment faire pour fermer sa grande gueule. Oksana Jones. Oh, je connais pas. Oksana? Ouais, peut-être, oui, mais... En fait, je connais pas tout le monde, hein. Ah, d'accord. Je vous assure. Hein, Et Monica, Monica, ça vous dit? Non. Dada Soleil. Oui, Dada Soleil, oui. Nana Abdab, Les loulous de soleil aussi. Voilà, loulous de soleil, Jean Cancan, Japap Kandem... Gaston Machipon. Gaston Machipon. Dickwin. Dickwin. Le président ou Claude Akam? Claude Akam également. Oui. Monica Monica. Je connais pas. Pimandou. Ouais. Mokonzi Mokonzi. Je connais pas, c'est quoi? tu les connais? Hein? Moi je lis, moi je vous suis, je suis, je regarde. Ils sont tellement nombreux. En fait, des fois je regarde, je connais pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Ils savent que je suis avec eux. Est-ce qu'il y a des abeilles qui ont retenu votre attention d'une manière ou d'une autre? Oui. On peut les citer? Jean Cancan, Japa Kandé, Nana Dab, les anciennes abeilles là, oui. qui connaissaient ce que c'est que le respect. On fait attention au respect de ses aînés. Aujourd'hui, les abeilles, je les aime bien, mais il y a beaucoup de manque de respect. Je n'apprécie pas ces abeilles qui viennent en longueur de journée lyncher Tata Doudou, lyncher Nathalie Babalé. Mais pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas détruire dans une maison. Il peut y avoir des moments de tempête, mais pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous voulez séparer les gens? Vous voulez partir, partez doucement, ne créez pas des camps. Il n'y a pas de camp dans la team PDGIS. Flore de Lis, c'est une place, c'est moi seule et unique. Ah d'accord. Ils sont là pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. C'est ah d'accord. Il y a d'autres abeilles là, Adama. Adama. Mais si tu me parles par exemple de. Elle est psychopathe. Ah bon? Elle a des publications terribles. Adama, oui, elle là. Oulala, elle Flore là. Adama. Oui, ouf, c'est un cas, c'est là. Ouais. D'accord, c'est compliqué. Flore Adama, oui, c'est waouh. Il y a également cette Tenia Stéphane Obipo. Tenia Stéphane. Nous sommes au rendez-vous. Franchement, lui, là, c'est... Nous sommes au rendez-vous. Ouais. Mais les abeilles, là, c'est des cas. Hein? Les abeilles, c'est des cas. Et je vais dire aux abeilles, je vous aime bien, on s'amuse bien. Pourquoi? Parce que le plaisir qu'on se donne, on se donne, c'est réciproque, en fait. Ah, d'accord. Mais arrêtez le lynchage. Même si quelqu'un n'est plus dans la team, c'est pas la peine de... J'ai vu que vous voulez déjà m'amener les histoires, là, que comme Nathalie, mais attendez, ils voulaient déjà m'amener ça. Hein? Ah ouais, pourquoi tu as pas laissé le temps à Nathalie de payer, nanani, nanana, mais attendez, vous êtes sérieux, là, ou quoi?
Vous mélangez tout, hein. Ah, d'accord. Ah, donc, il ouais. Bah, y a des abeilles, et dans la team, il faut dire que c'est la team des bosseurs. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des militaires, il y a des colonels, il y a des artistes très célèbres. Très célèbres, qui sont dans la team, qui sont confondus parmi les abeilles. Ouais, c'est vrai. Il y a même les plus haut placés. Il y a même des ministres. Vous savez que j'ai un garde du corps, là. Ah, d'accord. Bah, ouais. Donné par un ministre. Ouais, bah, c'est super, ça. Dans les abeilles, hein, ils peuvent être violents. Est-ce que les publications, l'attitude d'une abeille peut être le reflet de la vie réelle? Oui. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont violents, peut-être parce qu'ils sont aussi violents dans la vie réelle. Mais bon, après, ça ne veut rien dire. Hein. Les gens se transmettent. Par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, on voit une dame qui est agressive, qui est... Mais après, je suis quelqu'un de très douce. Je ne suis pas... Là-bas, c'est le jeu, c'est le... D'accord. Alors, vous avez des enfants, non? Oui, j'ai un fils unique. D'accord. Vous l'appelez souvent comment? Choupi. Je suis grand-mère. Choupinette. D'accord. Ta petite fille s'appelle Choupinette. D'accord. Et ton fils dit, tu appelles mon père. Tu dis non, tu ne t'appelles pas. Non. Son père, c'est le boxeur? C'est le boxeur? Non, son père, le père de Choupi, ce n'est pas le boxeur. C'est le premier homme de ma vie. Ah, d'accord. Mais moi, quand c'est fini avec quelqu'un, je... Moi, quand c'est fini, c'est fini. Ah, d'accord. Ouais. Mais moi, si tu disais que moi, j'ai envie de t'épouser, ma faute, tu diras quoi? Je dirais que, ouais, je ne peux pas rejeter comme ça. Je dirais que, bon, pourquoi pas? Il faut voir avec les abeilles, sont eux qui décident de ma vie. Ah, d'accord. Tu me caolotises quand, alors, ma faute. Le caolotisage de ça. Le caolot direct de ça. Mais il faut faire attention aux filles qui viennent épouser les hommes ici. Hein. Non, c'est très dangereux parce que moi également, je suis dans les PDG TV. Oui, il y a des filles, elles viennent. Lave la douche. Balade le chien. Un peu avec un petit parfum qui sent bon, une petite ceinture chinoiserie là. Et puis quand elle t'amène en Europe là, tu deviens son esclave. Hein. Tu gardes son enfant, tu cuisines. Hein. Tu balades le chien. Tu laves les chiens. Non, les noirs ne sont pas trop dans les chiens. Je veux dire. Elle te manque de respect devant les gens, je sais pas, elle te traite comme un manque comment. Il y a des hommes qui souffrent, hein. C'est parce qu'on n'en parle pas, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Et moi, je dis aux ces hommes, ne vous laissez pas faire par une femme. Je pense qu'une femme, même si elle est milliardaire, reste une femme et une femme a besoin d'homme dans sa vie. Donc, c'est pas parce qu'on a un peu les petites miettes qu'on va maltraiter l'homme n'importe comment. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de paresseux. Oui. Les hommes, quand on vient épouser, s'il arrive là-bas, il veut zapper la télé, regarder le foot. Non, mais lève-toi, va travailler, va bosser. On est où là? Va travailler. Tu es venu faire quoi là? T'es pas venu rester à la maison, aller rien foutre pour regarder la télé. Tu regardes la télé, tu rentres en Afrique. Ah, d'accord. Super ça. Moi, je t'aime, ma faute. En fait, je me suis donné 7 ans. Hein. Je vais faire 7 ans sans rien faire avec quelqu'un. Ah, d'accord. On va écouter encore un petit bout de la chanson dédiée à Mafo. Dédié Yango, comment ça s'appelle là? Tu veux écouter une chanson dédiée Yango? Une chanson dédiée Yango? Oui. Là, ça parle de quoi? Homos calculé. Quelle chanson? Parce que je serai avec lui le 2. C'est mon ami, hein, c'est mon ami, hein. Tu lui diras que tu étais avec Francis Libéral. Ouais. Hein. C'est mon ami personnel. Au Danemark, le 2 au Danemark avec Didier Yango. Ah, d'accord. On peut écouter une chanson de Didier Yango pour faire plaisir à la reine mère. Après, je peux faire des big up. Hein. Tu peux faire des big up? Oui, allez-y, ma faux. Voilà, je voulais faire un big up à la milliardaire, Joséphine Bayan, depuis Singapour. Et le bon, le bien, le Togolais le plus célèbre, le professeur. Oh là là, comme je suis devant vous, me troubler. Hein. Non, allez-y, ma foi. Un big up. Oh là là, j'ai oublié. Les gens qui m'ont dit, fais-moi un big up quand tu es là-bas. Je suis désolée, pardon. Japap Kamdem, Jean Cancan, mon communicateur, Dieu éternel, qui passe ces moments difficiles. C'est ses condoléances. Hein. Un big up à tout le monde, à moi-même, la reine mère, la femme forte. Ah, d'accord. Et pourquoi les abeilles ont des noms bizarres comme ça? Comment ça peut s'appeler des dents? C'est quoi ces noms? L'autre appelle Nyok, le Mbrakata. Oui, c'est d'Otam, voilà. Les noms. Ils ont des noms bizarres comme ça, ma foi. Rebecca, là. Bonsoir. Ouais, je sais pas. Maintenant que je suis à la radio, je sais pas. C'est que je sais pas, j'ai pas préparé. Tu me prends comme ça sur le coup. Ah, d'accord. Un big up à tous ceux qui t'écoutent. Ouais, un big up à tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier. Hein. Je suis au Cameroun et... Occupez-vous de la reine-mère, non? Ah, d'accord. Moi, je m'occupe de toi, en tout cas. D'accord, la reine-mère. On va à la Sanzaka. On va danser un peu, non? Il y a qui? Quel gars. Quel gars?
Non, tu as le gars. Hein. Mais ça, on voit le gars, que je ne pine pas. Yeah. On a la radio ici. Hein. Merci pas, moi. Mais on m'écoute. Hé, hey, mal, hé, hey, pardon, ton show va te chasser. Hé, hey. Pardon, on a écouté. J'ai senti là. C'est pas sûr. La touche pas ma. Non, ma peau, là tu as dérangé. On a organisé un peu un petit truc là. Tu as dit un peu fort, hein. On a la radio. Avec le poids de yaourt aussi, hé, hey, Paru. Ma voix dérangée. Paru, tu vas être ton patron, pardon. Hé, hey. Okay. Bon, bah, merci à mon père Jessica. On a encore 30 secondes. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire là? On va dire, on te dit merci d'être venu. Moi, je vais revenir une deuxième fois. Hein. Oui, c'est bon. On va préparer l'émission la prochaine fois. Comme ça, vous pouvez me poser. Parce que c'est que vous avez envie de me demander des trucs privés dans ma vie privée, je vais vous répondre. Moi je parle de tout. Hein. Je ne cache rien, je vais tout parler. Non, non, d'accord. Non. Pour le moment, ça se passe comme ça se passe là. Maman, là, tu ne sais pas de ça. Hey. Bon, on va se quitter dans un très court moment, on a pratiquement 30 secondes à passer ensemble. Mafou, on a été très très heureux de t'avoir ce soir comme invité hein, sur Royal FM. Merci. Un dernier mot peut-être. Ouais. On va te dire d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. Merci. Parce que par ta voix, c'est pas évident. Je ne pouvais pas te refuser ça parce que tu le mérites. Hein. C'est la première fois que je passe dans une chaîne. Oui. Parce que j'ai toujours refusé. Oui. Je refuse souvent en fait, mais je pense que cette fois-ci, je vais le faire parce que c'est très important les médias. C'est très important, surtout quand on fait quelque chose de positif, de concret. Aujourd'hui, je peux me permettre de passer dans les médias parce que j'ai les entreprises FDL. Avant, je me disais, les médias m'appellent, mais qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? C'est un peu ça, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai une raison d'être sur les médias. Et... Ah, d'accord. On était très heureux. On a passé un moment très agréable avec toi. Avec toi, on voit pour le temps passé, en tout cas. Ouais, merci. Restez beaucoup. Comme tu as, ne change merci, pas. Merci, merci infiniment. Merci à tous les auditeurs du monde entier. Merci à Royal FM. Je vous aime. Et voilà, je suis au Cameroun pour un petit moment. Voilà, donc voilà, je vous aime tous, même si on ne peut pas se rencontrer, sachez que je vous aime. D'accord. Voilà. Merci. Merci pour toi. Merci. Tu fais les dons dans les orphelinats, non? Tu n'as rien prévu pour ce voyage-ci? Ce voyage-ci, c'est vraiment très privé parce que ma mère, elle est malade. C'est pour ça que je suis là. Ma maman, elle va se faire opérer. Donc, je suis venue pour l'opération de ma mère et je ne suis pas bien. Je ne suis pas vraiment bien. J'attends d'abord que ça se passe pour voir si j'ai autre chose à faire, mais... Pour le moment, je suis à ses côtés. Ah d'accord. Merci d'être passé nous rendre visite, hein, Mafou. Merci. Tu es trop belle, quoi. Merci. Oh, très belle poitrine aussi. Hein. C'est l'original ou c'est l'opération? Eh, fou le camp. C'est du bio. Ah, bio. Ah, d'accord. Zéro opération. Merci beaucoup. Ah d'accord. Tu es jolie en passant. Tu es trop bien, quoi. Beaucoup. On va dire merci à la grosse équipe qui m'a accompagné avec Alan Junior, qui s'est occupé de l'extension technique. Tu connais Alan Junior. Ah d'accord. On va également dire merci à la régie d'antenne avec Mr. Jackolinga. Merci à Christian Kwam. On lui parle le président directeur, monsieur. Et le pasteur Emmanuel Noël Bissaï, son épouse Esther Bissaï. Hein. Et à la maison, c'était vous. On va dire merci à Didier Bélé qui nous a rendu également visite ce soir. Appelez-moi Francis Libéral. Mon nom à l'état civil, c'est René Francis Ngongan. On se donne rendez-vous demain, 18h30, 20h30 minutes pour un autre épisode. Du programme Royal Show. Mais sinon, très tôt le matin, entre 6h10 et 10h, je suis là pour le réveil matinal. Le programme se poursuit 24h sur 24. Merci à la Mafo, la PDG, la maman, la buzz, celle qui fabrique et qui défabrique. Trop de noms en tout cas. Elle nous a rendu visite ce soir et ça a été un honneur pour nous. Hein. Merci. Mais celui qui a fait ta manucure, là, il est fort. Hein. Merci. Oh, c'est trop joli ça. Merci à Spetra. Waouh, c'est joli. C'est joli. Hein. Bien, portez-vous bien tout le temps. Moi, je t'offre un Runa non, après l'émission. C'est moi qui paye. Hein. Merci. Je t'offre un ruiné après l'émission. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Merci, bravo. PDG. Je coupe. Oui, c'est bon, on a fini. Merci. Bye bye.